On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Claude Sarraud. C'est la vedette du jour, elle est même filmée. Il y a des caméras qui la suivent. Eh oui. Vous rendez compte ? Ils font une émission sur les vieux. Ils s'en se doutaient bien que c'était pas sur les jeunes. Ben c'est bien, ils vont pouvoir aussi profiter de Gérard Miller. Jean Benguigui. Il est vieux aussi. Jérôme Bonaldi. Il est vieux aussi. Et Christine Bravo. Ça c'est notre gamin. Laurent, il est content aujourd'hui parce qu'il est le plus jeune. Et oui, et oui. Alors, c'est le junior. J'attends que Titoff arrive. Oui, mais Titoff, il est fatigué, tu sais. Ah, ouais. Il y a longtemps qu'il n'était pas arrivé en retard. En même temps, il y a longtemps qu'il n'était pas dans l'émission. C'est pour ça qu'on a oublié. Gérard, heureux de vous retrouver. Mais je suis ravi, moi aussi. J'espère que vous allez bien, Laurent. Oui, on a perdu l'habitude de vous entendre, Gérard. La limonade, ça va ? La limonade est arrêtée depuis le 15 septembre, mais elle va reprendre en mai prochain. Merci de signaler. Oui. Moi, je voudrais bien savoir, qu'est-ce que c'est que la limonade ? C'est le restaurant que j'ai ouvert en Ardèche, à Alboussière. Tu l'as appelé la limonade ? Non, pas du tout. Non, c'est... Il rentre dans la catégorie des limonadiers, des limonadiers. Il a licence 4, on l'appelle maintenant. Gérard Miller, licence 4. Vous n'êtes pas encore allé dans le restaurant de Gérard, Claude ? Tu me vois, c'est dans l'Ardèche ou je ne sais où. Oui. Et en plus, tu vois l'île Saint-Louis, tu sors de l'île Saint-Louis, tu tournes à gauche, tu vas tout droit, tu tombes dessus. Je préfère la brasserie en bas de chez moi. Claude, je suis obligé de vous interrompre parce que j'ai Monsieur Prunier au téléphone. Ah. Bonjour Monsieur Prunier. Bonjour. Alors vous êtes, il faut le dire, représentant, même président de l'UMP dans le Finistère, c'est bien ça ? C'est ça. Respect. Vous êtes dans le train, je crois, c'est ça, Monsieur Prunier ? Ah oui, j'espère que vous entendez bien, parce que je suis près de Guingamp et ça capte peu. Ah, c'est chez moi, ça ! Vous êtes président de l'UMP Finistère et chef de l'opposition municipale à Brest, et vous voulez rectifier mes propos d'hier. L'UMP est pour l'organisation du concours Miss France à Brest. Évidemment qu'on est pour, et c'est un mince qui s'est mal goupillé, c'est parti n'importe comment dans la presse hier, et en fait, ce qu'on voulait dire, nous, c'est qu'on est tous favorables, bien évidemment, à une manifestation comme Miss France, ça se rate pas. Enfin, il y en a certains qui les ratent, quand même. En fait, qui était contre à Brest, alors ? Alors, en fait, tous les partis étaient pour, des communistes au front de gauche, à l'UMP, aux centristes et au Parti Socialiste, c'est seuls trois écolos. Et ils n'étaient pas contre dans l'organisation, ils sont contre le principe même de ce genre de manifestation, vous savez, la femme objet. Mais ils ont bien raison. Mais voilà, le défilé, c'est dégradant pour les femmes. Mais nous, on s'en fiche, c'est 9 millions de personnes qui vont regarder et qui vont entendre parler de Brest ce soir-là. Très bien, plus ceux qui vous écoutent cet après-midi. Eh ben, vous imaginez. Vous allez dans le train vers où, Monsieur Prunier ? Il va chez moi. Je vous rejoins. À Paris ? Ah, vous allez à l'Assemblée nationale ? Non, je ne suis pas député. Pas je encore. Suis tout jeune, 34 ans. Qu'est-ce que vous foutez à 34 ans, pas député ? Franchement, là, faut accélérer la carrière, Monsieur Prunier. Ah, il est temps d'accélérer, c'est ça. Ben oui, surtout oui. Dépêchez-vous parce que les prochaines législatives, ça va être difficile. on verra ça le moment venu. On vous remercie pour cette précision, en tout cas, Monsieur Prunier. Et ben de rien, et venez à Brest puisque vous étiez à Mulhouse la semaine dernière. Vous êtes bien. C'est vrai que c'est pas loin. Ça, c'est logique, ça. Titoff vient d'arriver, mesdames et messieurs. C'est moi. Mesdames et messieurs, une nouvelle excuse inventée par Titoff. Non. On a fini très tard parce que on a fini vers 4h du matin, trouver une solution pour la Grèce, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il avait l'air fatigué, le président de la République. Je l'ai entendu ce matin. Il était 4h quand il est arrivé devant les journalistes. 4h du matin. Vous l'avez entendu ? Oui, non, mais moi, c'est quand même bizarre ce type qui vient de faire un enfant. Il est plus belle femme du monde et qui passe la nuit avec Angela Merkel. Mais tu trouves pas ça formidable ? Ouais. Surtout très comique, c'est qu'à 4h du matin. Alors moi, je vais vous dire un truc. Je suis en train de parler. Quand je remue, je sais bien que tu ne m'entends pas, mais quand je remue les lèvres, c'est que je suis en train de parler. Et donc, imagine cet homme qui, jusqu'à 4h du matin, parle avec les journalistes et crevé. Rentre à 6h du matin et là, c'est l'heure de la tétée. Et Carla n'en a pas envie. C'est formidable. Mais non, elle l'allait. Il ne va pas l'allaiter. En plus, Sarko, il peut tout faire. Il ne peut pas l'allaiter. Il ne peut pas l'allaiter, Sarko. L'homme universel, il ne peut pas. Il peut tout faire, le président de la République. Écoutez, arrêtez avec lui parce que moi, plus ça va, plus il me plaît. Ah oui. Et plus je crois. Attendez, je ne suis pas décidé. Ne me tombez pas tous dessus. Personne n'a rien dit. Que je vais...
Et plutôt que Hollande, eh ben Hollande, tu vois, qu'est-ce qu'il fera, il fera pas le poids. Ah, on peut faire de la politique à cette émission. Ben écoutez, ça nous fait plaisir, Claude. D'ailleurs, vous savez, nous-mêmes, on n'a pas décidé encore. Ah on, on va attendre l'année prochaine. Je veux juste te dire une chose, Claude, c'est que le soir, donc comme j'ai l'habitude, vous le savez, je vous invite tous à une soirée électorale le soir. Ouais. Ah non, ne fais pas de chantage. Ah, ah mais Claude, je suis obligé de te dire que si tu votes pour Sarkozy, ça sera très difficile de rentrer. Tu vois, c'est non, mais ce que le public ne sait pas, c'est que ça s'est passé la même chose. Non, dernières. Qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière? Mon pauvre Revel. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Très bien, je n'ouvre plus ma gueule. Oh non. Et tout ça devant les caméras d'M6 en plus. Je m'en fous. Terminé. Non, vous êtes obligé de parler pour M6 quand même. M6, je connais pas. Là, aujourd'hui, vous m'avez humilié. Ah bon? Vous saviez même pas ce que j'allais dire. Ah ouais. Oh bah si. J'allais dire qu'on t'avait obligé à voter Ségolène Royal pour aller à la soirée électorale de Gérard Miller. Et derrière le rideau, oui. Dans l'isoloir, oui. J'ai fait la connerie de choisir entre les deux tickets. Tu t'es trompé. Mais Claude, par contre, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 5 ans. Oui, justement. 4 ans. Revel venait de mourir. Oui, mais ah alors, bon quel ticket? Alors j'ai dit à Laurent, écoute, tu peux pas me laisser toute seule, une soirée électorale. Alors il s'est débrouillé, il a demandé à Gérard Miller d'organiser un petit truc. Pour après, toi. Après, il a demandé à Julie, j'avais ordre extrême, je ne serais admise à ces deux soirées électorales. Que si je votais Ségolène. Ah, voyez les bandes de connards. Mais encore plus conne que tous ces connards, c'est Bibi. Parce que derrière le rideau, dans l'isoloir, j'avais mon Sarko que j'aime bien, que je connaissais. D'accord ? Et j'ai mis la folle dans la rue. Mais c'est d'autant plus con que moi j'ai mis Sarko. Hein. Ah, oui, moi je m'en foutais, je voulais aller bouffer chez Miller. Mais en plus que t'étais dans l'isoloir, t'aurais pu mettre ce que tu voulais. Mais évidemment. Oui, mais quand elle a promis, elle a promis. Non, parce que t'avais promis. Oui, mais tu connais mes promesses. Alors, attends, arrête. J'avais promis à mes fils aussi, j'avais promis à qui tu voudras, je m'en fous complètement. Et ben non. Le jour du mariage, j'avais promis d'être fidèle. Ça voilà. Exactement. Ah non, 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 tu sais, ça c'est un geste que je ne m'expliquerai jamais. Titi, vous êtes content de retrouver Claude? Ah, oui, et puis en plus, je suis content de la retrouver avec le casque de Madonna, comme ça, c'est cette année. Ah, vous l'aviez pas vu encore j'avais comme vu ça. Encore, moi. Ah, c'est oui, magnifique, oui. Claude, avec ça. Ah oui, et puis attendez, quand elle bouge, elle peut faire Shakira aussi. Mais sur la fin de l'émission, c'est plutôt Lady Gaga. Comment ça, oncle? Tu as aussi un côté pionnière de l'aviation. Tu vois, un petit peu comme ça, Adrienne Bolland. Au téléphone, j'ai un garçon qui s'appelle Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Laurent. Comment ça? Bonjour, vous avez 16 ans et vous nous écoutez à 16 ans? Eh oui, mais ça fait 5 ans que j'arrête pas de vous écouter. Vous avez commencé à 11 ans? Ah, vous avez commencé à 11 ans en plus. Et ça vous intéresse ce que raconte Claude Sarraute, Gérard Miller? Ah bah bien sûr, un peu moins Gérard Miller, mais... Ah, tu vois, t'es mon petit chéri, toi. T'es mon petit garçon. Vous êtes en quelle classe? Première S. Et vous aimez particulièrement M. Benichou, mais il n'est pas là aujourd'hui. Eh oui, c'est un petit peu ma fleur d'orange par rapport à ce que je vous ai envoyé. Eh bien oui, vous m'avez envoyé de la fleur d'oranger. C'est très gentil parce que j'aime beaucoup ça. Et vous aviez prévu une crème hydratante pour pieds secs pour Pierre Benichou. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est écrit à la main avec une écriture cursive. Ah oui, c'est très rare, regardez. Sur du papier, oui. Il écrit bien. Sur du papier à gros carreaux de classeur. Oh, mais... C'est un petit écolier. Ah ben c'est un écolier. Je vous mets 18 sur 20, Anthony, pour votre lettre. Gentil. Ah non, franchement. Non, c'est bien. En plus, vous avez une voix d'homme, c'est bizarre. Bah, il a 16 ans, tu veux dire. Il a 16 ans. Oh, bah, 16 ans, on parle encore un peu comme ça. Vous intéressez aux cosmétiques, alors? C'est plutôt mes parents qui travaillent dans ça, ils vendent... des parfums. Mais une crème, c'est-à-dire une crème hydratante pour les pieds, vous êtes de la famille de Georges Tron ou ça n'a rien à voir? Quel magasin ils ont vos parents? C'est du travail à domicile plutôt qui... Ah bon? Ben, je dois dire que autant au téléphone t'as l'air d'un petit con, autant quand on lit ta lettre, elle est incroyablement bien écrite. Ah, vous voyez Gérard, pas une faute d'orthographe. Quant à Gérard Miller, je suis totalement contre le fait que vous souhaitiez le renvoyer. En effet, je pense qu'il serait plus qu'utile dans votre émission, mais du côté de la régie. Je plaisante, évidemment. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans cette lettre où il n'y a pas une faute, la seule faute qu'il a faite, c'est au mot utile. Je te signale qu'utile prend un E à la fin. 16 sur 20 au lieu des 18. Merci, Anthony, en tout cas, de nous avoir écrit.
Eh ben, de rien, c'est avec plaisir. Hein, et alors, franchement, ah ben non, mais nous, ça nous fait plaisir parce qu'on ne pensait pas qu'on avait des auditeurs de 16 ans quand mais même. Si. Comment ils s'appellent, les petits noms de vos parents? Franck et Muriel. Franck et Muriel, on les embrasse. Et vous aussi, merci pour votre courrier à la main, c'est de plus en plus rare. Donia est au téléphone maintenant. Bonjour Donia. Bonjour Laurent. Ah, c'est pour Claude Sarraute votre message, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous avez 23 ans. Oui. Et vous adorez Claude. Oui, je l'adore. Heureusement, heureusement, heureusement qu'elle fait partie de votre équipe. Je ne dénigre pas les autres, mais vraiment, je l'adore. Elle vient de faire une grimace à Christine Bravo. Je l'ai fait un pied de nez. Muriel, je l'ai fait. Totalement régressif. Un pied de nez. Un pied de nez en tirant la langue, elle a fait. Mais vous aimez bien Christine Bravo aussi, Donia. Ah non, non, moi je l'aime. Christine Bravo, ouais. Je l'aime bien, mais parfois, elle ouvre la bouche, il y a des choses qui sortent de sa bouche qui ferait mieux d'y rester. Quoi, par exemple? Quoi, expliquez-vous, là? Je voudrais savoir ce que vous n'aimez pas, que dit Christine. Non, sincèrement, c'est pas méchant, Christine, je vous aime bien, mais parfois... Il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche. Voilà. Au lieu d'engueuler, ma chérie Christine, fais des compliments à Claude Charot. Parce que ça a commencé sur Claude. C'est vraiment la peine qu'on te donne la parole. Tu dis que tu m'admires et t'engueules ma copine. D'accord, on est d'accord. Alors, Claude, vraiment, je vous aime beaucoup. J'aurais aimé avoir une troisième grand-mère, vous. Ah. Et vraiment, 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 j'ai pas de mots pour dire ce que comme je vous aime. Eh ben vraiment, mon chéri, je te... Et il y a longtemps, vous êtes gérontophile. Vous êtes nord-africaine, c'est ça? D'origine, oui. Je suis d'origine nord-africaine. D'origine nord-africaine. Nord-africaine. Et vous vivez en Italie, c'est ça? Exactement. Parfait, Donia. Vous nous écoutez en podcast, donc on vous remercie pour votre appel. C'est et moi, je très t'embrasse gentil. Très fort. Moi aussi, Claude. Moi aussi. David, maintenant. Salut, David. Oui, bonjour, Laurent. Ah, vous êtes producteur, vous, David, c'est ça? Oui, producteur d'un spectacle. Et vous m'avez entendu parler d'un spectacle de Michael Jackson. Tout à fait. J'ai rebondi sur votre intervention. Vous aviez dit que vous étiez allé à Londres en week-end voir un spectacle qui s'appelle Thriller Live. Enfin, j'étais surtout allé voir mon ami Gérard Miller. Tout à fait. Et vous aviez apprécié ce spectacle, alors je vous ai écrit, car je suis le producteur de ce spectacle. C'est pas vrai. Et le spectacle est en tournée en France l'année prochaine, début 2012. Thriller? Thriller Live. Vous dites Thriller, vous, moi je dis Thriller. Oui, mais t'as raison, Laurent. On peut dire les deux, effectivement. J'ai pas de bol, hein. Dès que je dis un truc, c'est jamais bon. Pourtant, pour moi, c'était bien. Excuse-moi, c'est moi l'expert. Oui. Quand il faut le dire comme le dit Roland. Laurent, pardon. Pardon. Il faut dire quoi? Il faut dire Thriller. Alors, c'est... Alors, je dis Thriller Live. Thriller Live, vous dites. Thriller, vous. Ouais. Et ça va être en tournée où, ça, alors exactement? On est dans toute la France, du 3 mai au 17 juin. Donc, il y a 37 zéniths. Donc, forcément, une... 37 zéniths. Quelle journée. Et c'est la même troupe qu'on a vue à Londres ou pas, alors? Une partie du casting de Londres sera en tournée. Le spectacle a déjà réuni plus d'un million de spectateurs dans le monde entier. Le spectacle existe depuis 4 ans et c'est le seul show qui a été cautionné par Michael Jackson lui-même. On enverra Pierre Bénichou, hein. Avec grand plaisir. Parce que je crois qu'il adore Michael Jackson. Oui. C'est un spécialiste mondial. C'était bien, Gérard. Oui, enfin, vous êtes un peu endormi, vous, hein, parce que c'est pas votre truc, Michael Jackson. Je me souviens, écoutez, on faisait la queue dans. Vous m'avez dit, c'est qui Michael Jackson, vous m'avez dit. Non, qui est-ce qu'il a choisi? Ah non, c'est vous qui l'aviez choisi, le spectacle. J'allais dire, c'était c'est vous qui l'aviez choisi, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Non, parce que Karl Marx en comédie musicale, j'aime moins. Ça serait pas mal. J'ai préféré choisir moi-même. Qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle? Il n'y a pas d'histoire, hein. Il faut bien préciser c'est qu'il y a que pas des chansons, c'est que des chansons. Mais c'est super. Voilà. Super bien chanté. Super bien dansé. On s'ennuie pas pendant 1h30. Mais avec des sosies? Tous les tubes. Non, pas de sosies. Pas du tout de sosies. Non, il y a un chanteur d'ailleurs blanc qui c'est le seul qui ressemble vraiment à Michael Jackson, oui, le blanc. Est blanc. qui est magnifique. Il chante, mais admirablement bien d'ailleurs. Je sais pas si c'est un spectacle en live, donc il faut vraiment préciser que ce sont des musiciens en direct qui vont jouer sur scène. Et c'est plus de 2h30 de spectacle, donc vous voyez, vous avez dit 1h30, alors que le spectacle fait 2h30, donc c'est que vous avez vraiment apprécié, vous n'avez pas... Non, mais c'est très bon. C'est très bon. On conseille à tous les Français. Thrillerlive.fr pour tout savoir sur la tournée à travers la France.
Fidèle auditrice de votre émission, je ne manque jamais lors de mes passages à Paris pendant les vacances scolaires, puisque je suis enseignante, de venir avec une amie. J'aimerais dire que je suis particulièrement heureuse. Alors, on va d'abord vérifier si elle est là aujourd'hui. Elle s'appelle Anne. Elle est là. Anne, c'est qui Anne? Anne, ah, c'est vous, Anne. Oh. Et vous êtes avec Hélène, c'est ça, assise à côté de vous. Voilà. C'est Hélène qui a des barres rouges. Ah, oui, Hélène a des barres rouges. Toutes les deux. Et alors, attendez, tenez-vous bien, Titoff. Quelle joie de constater que notre chroniqueur préféré, Titoff, qui se fait plutôt rare dans votre émission, sera présent aujourd'hui. Nous allons pouvoir rire de ses interventions toujours drôles. Oui. Parfois désespérées, mais drôles. Oui, c'est surprenant. Nous entendons toujours à l'antenne des chroniqueurs vanter les mérites d'un bénichou qui, quand il ne dort pas, chante ou râle, d'un Kersauzon devant qui tout le monde s'incline, d'une Claude Sarraute à qui tout le monde clame qu'il rêve de l'avoir comme mamie, d'une Caroline Diamant qui fait fantasmer les adolescents, mais jamais, jamais ou rarement de Titoff. Et pourtant, il y a plusieurs bonnes raisons d'aimer Titoff. Vous rendez compte, tu peux y aller. Vous avez payé là ou quoi? Un, Titi est toujours d'humeur égale. Ça, c'est vrai. Ouais. Deux, Titi arrive maintenant à l'heure. Ça tombe mal. Aujourd'hui, c'est fini. On voit Titi comme l'ami sympathique et marrant qu'on aimerait tous avoir. Bah, ouais, ça, c'est vrai aussi. Hein. Vous êtes d'accord, Claude aussi? Ah, moi, je l'adore. Ah, bah oui, voilà, pareil. Un ami marrant. Ah ouais, un ami marrant qu'on aimerait tous avoir. Un amant marié. Hein. Titi a un humour peu commun. Ça, c'est sûr. Simple, ce qui n'est pas péjoratif, mais qualitatif. Titi n'a pas parlé de Dora depuis au moins 3 émissions. C'est vrai aussi. Alors oui, Titoff, on t'aime et on rigole à toutes tes blagues, même les moins drôles et même celles que nous avons déjà entendues. Bref, nous tenons à te faire cette déclaration d'amour, rare mais sincère, post-scriptum, dites à Titoff de bien nous laisser les deux invitations qu'il nous avait promises pour écrire ce mail. Très pour gentil. Le Bataclan, alors bah, bien sûr, je les invite au Bataclan pour le 3 décembre. Ils veulent te faire un bisou. Je vais leur faire un bisou. Il est très gentil ce mail. Elles sont là en plus. Tu vois, va leur faire un bisou. J'arrive tout de suite. Voilà. C'est lesquelles? Les deux vieilles là-bas. C'est les deux cajots là. Oui, oui. Les deux cajots. Ouais. Oh. Mais ce qui n'est pas sympa, c'est que Anne, elle a envoyé un autre mail pour dire à Hélène qu'elle n'aimait pas sa nouvelle coupe de cheveux. Mais c'est pas vrai. Elles ont plein de choses à faire, ces filles de la qu'elle n'ose pas lui dire et que ce serait bien que vous lui disiez, vous, qu'elle me dit. Oh, c'est trop drôle. Elles sont mignonnes. C'est fait un petit balayage. Ça va. Il y en a une des deux qui est magnifique. À laquelle vous allez offrir une place, alors parce que pas aux deux, faut qu'il y en ait une qui paye, Titoff. Le jeu, c'est une invitation, une payante. On va venir toutes les deux. C'est vrai. C'était tellement gentil ce qu'elles m'ont dit. Non, franchement. Ah oui. Puis je sais pas, on sait jamais, il risque d'y avoir Pierre aussi, donc on avait connu. J'aimerais que vous appeliez mon ami Walid qui fête ses 21 ans le 27 octobre. C'est aujourd'hui, c'est Geoffrey qui m'envoie ce mail. On va essayer d'appeler Walid. On va le surprendre au téléphone. Allons-y, c'est parti. Ça va le surprendre que ça sonne. Mais non, mais que ce soit nous quand même. Ça va le surprendre, Christine Bravo. Oui. Franchement, non? Elle n'est pas de bonne humeur, Christine. Ah non. Parce qu'il y en a eu pour moi. Un petit peu. Claude sort ses médicaments pendant ce temps-là. Ouais. C'est mes pilules à rendre intelligent. Allô. Ah, allô, salut Walid. Oui, salut. Je vous passe Christine. Bonjour Walid. Qu'est-ce que vous dites à Walid, Christine? Bon anniversaire, ma poule. Merci, c'est qui? Christine Bravo. Christine Bravo. Ouais. Oui. Oh. Vas-y, oui, va voir dans ta salle de bain, elle est à poil. C'est Geoffrey qui nous a envoyé un mail pour qu'on vous souhaite un bon anniversaire pour vos 21 ans, Walid. D'accord, merci. Ah bah dis donc. Non, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. On vous réveille, Walid? Non, je suis au travail là. On vous emmerde quoi en gros? Bah, un petit peu quoi. Au moins il est honnête. Bah, vous aurez qu'à engueuler votre copain Geoffrey, vous n'avez qu'à pas nous envoyer un mail pour nous dire qu'il fallait qu'on vous souhaite un bon anniversaire. C'est con parce qu'il n'aura pas le cadeau. S'il avait été content, il aurait eu le cadeau. Il sera très agréablement surpris et touché. Il vous aime bien, vous et vos émissions. Bah, merci, vous n'avez pas l'air de m'aimer au fond. Hein. C'est de la part de qui là? Mais c'est Laurent Ruquier au téléphone. Ah, Laurent Ruquier. Ah bah oui, les autres, il les connaissait pas en fait. Bravo. Je suis con, j'aurais dû me présenter. Mais il n'a pas la TNT, il peut pas. Vous faites quoi comme travail, Walid? Du paysagiste. Paysagiste. Alors vous êtes dehors là?
Vous êtes dehors, là? Oui, je suis dehors, là, dans un jardin privé. C'est Christine Bravo qui vous parlait en premier. Il y a Jean Benguigui qui est intervenu, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi. Gérard Miller n'a encore rien dit. Vous voulez qu'il vous souhaite un bon anniversaire, Gérard Miller? Avec plaisir. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un excellent anniversaire, Walid. Merci, monsieur, c'est très gentil. Et j'ai même Titoff qui est là aussi. Titoff aussi? Eh ben, joyeux anniversaire, Walid. Et tout le public, d'ailleurs. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Walid. Joyeux anniversaire, Walid. Joyeux anniversaire, Walid. Joyeux anniversaire. Ben voilà. Si on gagne pas des auditeurs avec tout ça, hein, Gérard, hein, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est une très bonne méthode. On doit d'ailleurs aussi faire la même chose à Sylvain, c'est Jaco qui m'écrit. Attendez, le dimanche va tellement mal. On fait tellement peu d'audience qu'il faut aller chercher les auditeurs un par un chez eux maintenant. Ouais. C'est énorme. On peut pas faire un tir groupé? Bah, on aurait dû faire en même temps, on a été cons alors. Walid, vous voulez pas appeler Sylvain? Oui. Il faut la chaîne de l'amitié. Non, mais c'est vrai, on va faire ça maintenant. Un auditeur, on appelle un autre. Ah, j'ai aussi quelqu'un qui me dit « Appelez Robin Ricordel de notre part, c'est le triple champion de France de jonglage de pizza. Ah, » ouais. Vous qui aimez les pizzas, ça va être intéressant, on va le faire. Ouais. Diabolo Pizza, c'est le nom de son restaurant. Non mais il y a un concours, vraiment. Pas répondre, il est en train de jongler là. Quel métier. Hein. Non mais quel ennui. J'ai aussi un mail curieux, un mail d'un garçon qui s'appelle Vincent. Pourquoi les lumières de vos studios sont allumées alors qu'il n'y a personne dedans? Ça c'est quand même étonnant. C'est quand même. J'ai aussi un mail qui me dit. Monsieur Laurent Ruquier, juste pour dire à Gérard Miller que je suis à Londres, que je suis actuellement à la recherche d'un emploi à mi-temps. Je suis disponible pour des babysitting, je suis discrète et je ne divulguerai rien à la presse. Et je pourrais, s'il le souhaite, surveiller sa femme pendant ses absences. Oh là là. S'il a besoin de moi, je suis disponible. Je vous donnerai le téléphone. Hein, c'est une jeune fille, prend tout de suite, regarde. Bah, c'est fermé, c'est Diabolo toujours... Pizza. Hein. Ouais. Pas très grave. De toute façon, on se retrouve avec deux auditeurs pour le premier challenge du jour. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Claude Sarraute, Jean Benguigui, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Gwenola, salut Frédéric. Salut. Bonjour tout le monde. Oh Frédéric, il a la pêche à La Rochelle. Hein. À La Rochelle, ben c'est normal. C'est normal à La Rochelle. Ah pourquoi? D'abord la pêche, c'est un port. Chef de baie. Gwenola, vous êtes à Voiron, vous? Oui, à Voiron, oui, c'est ça. C'est dans l'Isère, pas loin de Grenoble, donc. Voilà. Faites quoi dans la vie, Gwenola? Je suis ingénieur. Ingénieur, quoi? Ingénieur à Grenoble. Voilà. Oui, comme l'autre. C'est le truc. Ingénieur dans quel domaine? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Ah ouais. Vous avez un petit message à faire passer? Profitez de l'antenne d'Europe 1, Gwenola. Oui, un gros bisou à toute ma famille et à tous mes amis. Parfait. Frédéric, alors, à La Rochelle, celui qui a la pêche, maintenant. Oui, bonjour, rebonjour à tout le monde. Ah bah rebonjour alors Frédéric. Vous êtes content vous que Ségolène Royal arrive dans votre ville? Oh bah on n'a pas trop le choix de toute façon. Ah bah si vous l'aurez au moins. Elle a l'air de vouloir se poser, après on va voter. Voilà, vous l'aurez au moment du vote au moins Frédéric. Voilà, et vous faites quoi vous dans la vie? Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, et qu'est-ce que vous livrez? Voilà. Je livre du petit colis en messagerie. Du petit colis en messagerie. Ah, c'est mignon, petit colis. Le dernier kilomètre. C'est-à-dire? Ben c'est le dernier kilomètre. Il y a les gros camions qui vont aller dans les plateformes, et puis après, le problème, c'est de livrer. Ah non, non. C'est toi, Christine. S'en fout. Tu vois où t'en es. Mais c'est le moins couché. C'est vrai que Melody est un mec passionnant. Pourquoi? On apprend des toujours adoré les chauffeurs-livreurs. On peut plus en parler maintenant, Christine. Qu'est-ce qui se passe? C'est idiot ce que vous dites. Il ne livre pas que le dernier kilomètre. Il fait bien un premier kilomètre avant de faire le dernier. Mais oui. Dans la supply chain. Vous êtes dans la supply chain. Dans la quoi? La logistique. La vous avez quoi comme camion? Des VLU ou des 3-5? Non, la raison est que c'est une ferme là. Même Frédéric, il comprend pas vos questions. Hein, Frédéric. Si, je comprends un petit peu, mais c'est vrai que... Il s'y connaît quand même, apparemment. Ah ouais, il s'y connaît. Ah, il est un peu chiant, vous avez raison. Gwenola, Frédéric, peut-être un week-end à l'hôtel Lutetia, où parfois on peut croiser Christine Bravo. L'hôtel Lutetia de Paris? Oui, à l'hôtel Lutetia de Paris. On peut en croiser, je peux te dire. Vous pourrez prendre un verre au piano bar
du Lutetia, l'adresse Jazz, très courue. Votre chambre donnera sur la Tour Eiffel. C'est... la fameuse chambre que je n'ai jamais eue, pourtant j'en ai fait beaucoup. Arrêtez avec ça. Depuis lundi. Je te dis qu'on ne voit pas la Tour Eiffel. Mais oui, on voit la Tour Eiffel de la rue de Sèvres. Mais non. Mais oui. Non, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre dans la direction de la Tour Eiffel. Mais des chiottes, oui. Ils regardent le Bon Marché. Parce que t'es jamais monté avec un mec qui t'a emmené dans la suite. Je suis monté qu'avec des mecs et dans la suite. Qu'est-ce qu'elle irait foutre au Lutetia autrement, elle a un chez elle. Mais c'est pas ça, j'habitais à 20 mètres du Lutetia, donc c'est bien parce que j'y allais. C'était bien pratique. Mais oui. Et, le mec, il t'a jamais payé la chambre avec lui sur la Tour Eiffel. Non. Quel radin. On a vu sur le Bon Marché, pas sur la Tour Eiffel. Claude, qu'est-ce qu'il y a? Vous boudez? Non, je boude pas, mais ça m'intéresse. Tu sais pourquoi t'as. moi, le Lutetia, je connais que le bar, comme tout le monde. Ouais. T'es jamais monté, toi? Je me fous de savoir si ça redonne sur la Tour Eiffel ou sur le Sacré-Cœur. Le bar n'est plus bien parce que maintenant, on n'a plus le droit de louer. De louer. De réserver, pardon. De réserver. Si elle veut louer et la piscine. Alors, il n'y a jamais de place quand tu débarques à l'improviste. Parce que c'est réservé aux clients de l'hôtel, justement. Ah bah, très bien, sera réservé pour Gwenola ou pour Frédéric, qui pourront profiter en plus du style art déco de ce magnifique palace parisien. Mais pour ça, il va falloir me répondre, Gwenola et Frédéric, à cette question. Vous êtes prêts? Oui. Moi, je suis prêt, oui. D'après Alexandra Michaud dans le Figaro, quelle est la spécialité de Neuilly-sur-Seine qui jusque-là n'en avait pas? Pastoche. Ah bah vous savez, mon ami. Oui. Alors, laissez-leur 10 secondes. Oui. Hein. Spécialité culinaire? Spécialité culinaire. La viande? Non, c'est pas la viande de Neuilly. Ah oui. Mais ça a été inauguré par Martinon, le maire. Alors allons-y. C'est un dessert? C'est un dessert. De la cocaïne? C'est pas faux! C'est pas faux! Oh, le dessert, En dessert, je prendrai. Mais juste une ligne! Juste un petit rail! Alors? Des macarons, des cannelés? Non, allez-y, Bonaldi! C'est le sablon! Le sablon! Bonne réponse de Jérôme Bonaldi! Le sablon. Mais c'est un métro. Mais non, justement. Justement, c'était la plaine des sablons qui était à Neuilly. Ah. Paris a sa tarte bourdaloue, son opéra, son jambon, hein, le jambon de Paris, même ses champignons, les champignons de Paris. Oui. Mais jusqu'ici, à Neuilly, pas un produit gourmand emblématique. C'est pourtant dans la plaine des sablons, quartier symbolique de la cité. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Le jambon de Paris, oui, c'est Paris. Oui, le jambon de Paris, oui. Non, à la mode de Paris. Tu rêves ou quoi? Et le jambon de Bayonne, c'est de Bayonne. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais ça, on fait du jambon blanc partout. Mais le plus long de Paris, il est spécial. C'est des cochons qui sont élevés dans Paris. Non, mais c'est pas vrai. Mais enfin, bien sûr. T'es déjà allé au Point de Vincennes, t'as du cochon sauvage. Au jardin d'acclimatation. Le jambon de Paris, il est. Il y a des cochons à Paris, mais il y a des noms. Mais tu as raison. Le jambon blanc, on appelle. Il est de Paris. Le jambon de Paris, là. Il est un peu gay, jambon de Paris. Il est élevé dans le Marais. De quel arrondissement? Ben oui, de quel arrondissement? Dans le troisième arrondissement. Il est bonbon, c'est le jambon beau de Paris. C'est le jambon beau de Paris. Ah, tes conneries. C'était le jambon de Paris, peut-être au Moyen-Âge. Mais, non, mais c'est toi qui es jeune. Mais non, chérie, vous elle a raison. Le jambon, le jambon. Tais-toi, le cochon et le champignon. Oui. Le jambon. Et le champignon de Paris, c'est ce qui est le plus dégueulasse au monde. Ah non, mais attends. Évidemment, ça n'a aucun goût. Tu sais, mais non. C'est comme le champignon. Mais non, il y a le pas jambon de Paris. Arrête, tu me fais flipper. Le cochon de Paris. Tu sais comment il est élevé, le cochon de Paris? Non. Il habite dans le 3e arrondissement, il écoute Chantal Goya. Non, non, je te jure. Mais non, mais. Mais bien sûr, il fait une chair très tendre. Oui. Il a des cuissons remarquables. On en met dans les catacombes, il ne voit pas la lumière, la viande est très douce. Tu déconnes, mais non, c'est comme les champignons. C'est génial. C'est extraordinaire. Pourquoi ça s'appelle le jambon de Paris? Parce que c'est cochons sont de Paris. Mais tu ne circules pas, tu sors pas du Lutetia. Il n'y a pas que des cochons plus. Ils sont toujours énervés. Mais dans les bois, il y a des cochons urbains. Les cochons de Paris, que ce soit le bois de Vincennes, le bois de Vincennes, ils ne disent pas bonjour, ils sont là, ils sont un peu énervés. Il y en a marre de laisser les cochons aux paysans. On reconnaît qu'il n'y a pas de cochons à Paris. C'est pas vrai. Moi, j'en vois tout le temps la nuit. Le cochon de Paris, c'est de la merde. C'est surréaliste. On les exporte, on en a envoyé un à Washington, au FMI. Ouais. Non, mais parlez-moi du rabougo, parlez-moi de la Pata Negra, du Bayonne. Vous êtes toujours là, Gwenola et Frédéric? Oui, oui,
Est-ce que je peux terminer l'article du Figaro, ouais, donc putain. Paris avait son opéra, son jambon, sa tarte bourdaloue et même ses champignons de Paris. Voilà. Mais Neuilly n'avait pas de produits gourmands emblématiques. C'est pourtant dans la plaine des Sablons, étais-je en train de vous dire, quartier symbolique de la cité, que la pomme de terre fut cultivée pour la première fois par un certain Parmentier. Or, personne ne dit la pomme de terre de Neuilly. Vous voyez, c'est bien dommage. Non, parce que c'est un peu vulgaire. Donc, un concours a été lancé auprès des artisans pâtissiers de Neuilly. Le but était de créer une pâtisserie susceptible de représenter Neuilly sur scène et de renforcer le sentiment d'appartenance de ses habitants qui en avaient besoin. Parce que... ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est des gens assez méprisés. Ah, c'est des gens qu'on oublie. Ouais. Ce sont des gens pauvres. Non, c'est bien. Le cahier des charges était clair. Imaginez un gâteau pas trop sophistiqué, pas trop fragile et surtout consommable en famille. C'est finalement le gâteau. Le Bettencourt, ils auraient dû l'appeler. Il y a des gâteaux qu'on consomme seul spécialement. Enfin, c'est quoi cette opposition? C'est un financier en fait. C'est un pavé individuel. C'est pas super léger, c'est même assez roboratif, avec du chocolat, du caramel, du thé vert et des noisettes. C'est beaucoup. Ça coûte 2,50€ la paire. Oh, c'est vrai, comment la paire? La paire. Parce qu'il peut faire des chaussures aussi. Salon, si vous quand t'es rassis, quand c'est rassis, tu fais des pantoufles. Une paire de jambon. C'est assez simple, hein, comme gâteau. Le Sablon, voilà. Et c'est en tout cas un gâteau qui vous a fait perdre, Gwenola et Frédéric. Oui, c'est joli parce que Gwenola a préféré faire un bon mot plutôt que de chercher sur internet la réponse. Elle mérite, d'être récompensée. Ah, oui. Moi, personnellement, je serais Titoff. Je jouerai à Paris début décembre. Ouais. Tu lui donnes 4 places. Elle habite à Voiron et elle ira en tournée applaudir Titoff, n'est-ce pas, Gwenola? Oui, mais je peux me déplacer. Voilà. Tu sais, Gwenola. Elle a une jolie voix, Gwenola. Ouais. Vous aussi, Frédéric. Hein. Moi, je serais toi, Titoff. Je retirerais les 2 places aux 2 filles. Ah non. On vous embrasse l'un et l'autre. Merci d'avoir participé. C'est l'essentiel, comme disait Pierre de Coubertin. Pour quelle raison la société Maximal est-elle à l'honneur aujourd'hui? Maximal. Oui. Il y a un magazine Maximal, mais c'est la boîte de Jérôme. De Jérôme. Bellet. D'abord, on dit les noms ici. Excusez-moi. On n'est pas entre cochons parisiens. Parce que c'est lui, c'est cette boîte et c'est lui qui organise ce soir la prestation du président de la République sur TF1 et France 2. Les deux. Excellente réponse de Gérard Miller. Effectivement. Maximal, c'est la société de production qui, pour la première fois, organise, parce que d'habitude, c'est pas une société privée qui organise l'intervention du président de la République, mais pour la première fois, effectivement, c'est l'émission curieux. Est produite à l'extérieur des chaînes. Par Jérôme, mais c'est Nicolas qui l'a souhaité. Par Jérôme, Jérôme Bellet. Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Et c'est Yves Calvi, c'est Yves et Jean-Pierre, on va les appeler par leur prénom. Yves et Jean-Pierre qui, Jean-Pierre qui? Pernod, enfin. Dis-moi, c'est la première fois que les chaînes délèguent comme ça leur pouvoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Christine Bravo? Sarkozy va être interrogé par Calvi et Pernod. Ce soir. Calvi. C'est-à-dire que les chaînes sont simplement des chaînes de diffusion. Voilà. L'ensemble du spectacle. En même temps, il y aura TF1 et France 2 et on leur livrera, clé en main, un spectacle, notamment tourné par... En direct. C'est enregistré. Et d'ailleurs, c'est pas ça. En direct, t'es sûr? Et c'est un acteur. Moi, je sais pas si ça va pas être enregistré. Mais c'est normal, Calvi est déjà le chouchou produit par le bonhomme dont vous parlez là. Oui. Jérôme Bellet. Et l'autre, c'est la France Profonde, Pernod. Et tu trouves que c'est normal que ce soit une société privée? Non, mais voilà. Est-ce que les chaînes abandonnent? Tout à fait. Qui passent au-dessus des rédactions de TF1. De toute façon, ils s'en foutent. Tu pourras lui dire tout ce que tu veux. Elle va voter Nicolas Sarkozy. Taisez-vous, laissez-moi répondre, j'ai accusé. J'ai le droit de répondre. Alors, Bois un coup. Oui. Alors, de toute façon, les journalistes qui vont à l'Élysée sont choisis par l'Élysée. Alors que ce soit pas ça, la compagnie, ça me coûte moins d'argent, je suis ravi. Mais non, c'est pas ça la question. C'est pourquoi c'est pas les télévisions que les journalistes sont choisis à la rigueur. C'est pas la télévision et les rédactions des télévisions qui organisent cette On s'en fiche, elle a raison, Claude. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir s'il va être éveillé, parce que le pauvre, quand on l'a entendu à 4h du mat, cette nuit, il a dormi aujourd'hui. En ce moment, il dort là. Bah, si la petite, elle fait pas ses journées. Non, mais je crois qu'ils ont un grand appart. Julia, Clara. Elle a sa chambre, la petite. Elle a sa chambre. Oui. Ça s'appelle pas Clara. Ils ont Julia. Julia. Carla. Clara. Oui. Carla, c'est la mère. La mère. J'ai peur. Nicolas, le papa. Mais d'accord. Angela, c'est la nounou. Voilà.
Et il y a le méchant grec qui les réveille la nuit. Je trouve que c'est la première fois que ça arrive qu'il y a un bébé à l'Elysée. La première fois. C'est génial. Si on arrive dans la cour comme ça, t'entends des pleurs et tout. Il y avait des bébés à l'Elysée. Madame Chirac, à un moment donné, a pris son petit-fils à l'Elysée. Donc il y a eu des bébés, mais il y a eu Martin, le petit Martin. Le petit Martin. Ah bon, il était à l'Elysée, le petit Martin. Madame Chirac m'a raconté ça. Ah oui. Ah, vous voyez Mme Chirac, vous. Je l'attends de temps en temps. Mais il voit tout le monde qui est bien placé. Je ne vois pas tout le monde. Je ne vois pas tout le monde. Il voit Monsieur Fabius. Il y a 2 ans, 3 ans, quand ça valait encore le coup, il le voyait. Mais tu es toujours ami avec Fabius. Voilà. Toujours, j'ai pas changé. Et je peux vous décrire même la chambre de la petite Julia. Il est même allé chez Madame Clara. Carla, première dame, et je te l'ai interviewé. Elle m'a reçu très simplement. Enfin, lui, hein, pas moi. Non, pas que je cracherais dessus, je serais très flatté. Toi aussi, t'aimes bien voir les gens, quand même. Non, moi, les gens, surtout, je déteste les gens. Tu deviens horrible, Claude. Ah oui. Je déteste les gens. Jusqu'à présent, Laurent, dans le grand conflit qui vous oppose depuis des années à Claude Sarraute à propos de son appartement, dont vous disiez qu'il était nullissime, horrible, épouvantable, j'ai toujours soutenu Claude Sarraute. Et notamment, le balcon de Claude Sarraute qui était sur la Seine. Et je dois dire maintenant que j'ai rarement vu dans ma vie un appartement aussi horrible, aussi petit, aussi, mais vous savez, mal foutu. C'est vraiment, vous rentrez, vous avez l'impression que vous êtes déjà dehors. Ça y est, Gérard est vieux, il dit enfin ce qu'il pense. Nous voilà repartis sur mon appartement. Non, mais non. Gérard, alors, je veux vous dire quelque chose. Il n'y a pas de lumière. Je vous prépare à ce qui va vous arriver quand vous arriverez, comme moi, au très grand âge. J'ai vraiment, je vous jure, 3 coups de téléphone par semaine de gens qui me demandent si je ne serais pas prête pour aller dans une maison de retraite et si je ne voudrais pas vendre mon appartement. Oui. C'est pas vrai. Comment ils savent, les gens? Ben, je pense que c'est à la mairie. Ils doivent avoir les listes des vieillards. Ils regardent les adresses. Et parce qu'il y a des chômeurs là qui cherchent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fout? Non, peut-être qu'ils écoutent là. Ça fait bizarre. Et quand tu te maries, t'as une flopée de gens qui disent que vous n'avez pas une assurance, un machin pour les bébés. Oui, peut-être, mais c'est quand plus agréable quand même, vous voyez. C'est tout juste. Alors, je reçois aussi pour les déambulateurs, pour quelqu'un, si j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner à l'endroit où tu tires les billets, là. Oui. Ça, je dois dire. À la billetterie. Oui. Ça, j'aimerais bien, parce que j'ai peur. Ah, t'as pas un coffre-fort? Ah là, maintenant j'ai peur. T'as peur de quoi, Claude? Mais j'ai peur d'aller à ces, comment, distributeurs. Ouais. Comment il s'appelle? Alors, t'as peur dans ma rue. Bah, alors, et Jacques, t'accompagnes pas? J'arrive, il y a souvent des gens qui sont là, qui regardent la vitrine d'à côté, parce que c'est dans une rue très commerçante. C'est ma rue, la Saint-Louis-en-Lille. Alors, je vois 2 personnes qui sont là. Des jeunes. Et faut que je me mette. Des jeunes basanés. Faut déjà que je comprenne. Non, pas dans l'île Saint-Louis, il rentre pas. Le seul qu'on est, et il s'appelle Abdel, on l'adore, c'est le petit arabe. Il y a un seul arabe dans l'île Saint-Louis. Mais ça, c'est vrai que le problème, c'est quand il y en a beaucoup. Quand il y en a 15, ça pose pas de problème. Monsieur Hortefeux avait raison. Bien sûr. Monsieur Hortefeux avait raison. Notre petit Abdel est adorable. Quelle horreur. Oh non. C'est quoi, Claude? Le petit Abdel. Quel âge il a, le petit Abdel? Ah bah maintenant il doit être comme vous, quoi. La belle quarantaine. Comme nous, 60, quoi. C'est ça. Ouais, alors ton petit Abdel. Je parlais pas de ça, je vous parlais des distributeurs de billets. Oui. Donc alors, tu regardes si Abdel te voit pas. Quand entre Bertillon et Abdel, alors allons-y. Voilà. Alors, il y a toujours des gens qui sont là, ça me fait peur. Après, il faut que je tire ma carte. Oui. C'est déjà assez compliqué avec mes vieux doigts. Oui. Alors, je tire la carte du petit truc où elle est coincée. Oui, bien sûr. Jamais. Le porte-carte. Après, il faut que je tape. Tu tapes quoi? Mais attends, c'est ça le problème. Tu tapes quoi? Ah, bah mon code. Non, mais c'est quoi le code? C'est quoi? C'est des chiffres. Le 1, tu tapes le 1, monte-le juste avec les doigts, tu le montres. Mais ça ne sert à rien d'avoir mon numéro. Mais si on pique la carte. Ben voilà, donc ça ne sert à rien, tu peux le donner, t'inquiète pas. Non, mais non, puisque tu n'as pas ma carte. Mais voilà, donc tu risques rien. Non. Alors, justement, j'ai peur. Alors, quand je tape le numéro, je fais comme ça. Déjà, toute la rue est alertée. Tu comprends ce que je veux dire? Même des gens qui ne m'auraient pas remarqué, comme je suis là, comme ça, à droite, à gauche, je regarde. Après, je lève le coude. Ça, vous levez le coude, c'est connu dans Ville Saint-Louis. Oui, mais là, je lève pour me protéger. Après ça, l'argent tombe. Claude, regarde à ta droite. Ouais, il est en train de fouiller dans ton sac. Il peut y aller, il n'y a rien. Il n'y a pas de préservatif. Je ne cherche pas de préservatif. Ta carte de crédit. Que vous avez regardé le président ce soir, en tout cas.
à 20h15 ce soir sur TF1 et France 2. Nicolas Sarkozy va... Non mais franchement, je sais pas comment il va tenir. Mais il a dû se reposer toute la journée. Vous croyez vraiment? Mais oui. Ah oui. Il fait une émission très importante pour lui. Oui, c'est vous qui dites ça, il en fait moins que vous. Comment ça? Bah vous, oui. Vous faites combien d'émissions? Excuse-moi, ouais. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Ah, dans le genre Stakhanovich. Et vous faites ça depuis des années, des années. Et regardez quelle forme exceptionnelle vous avez. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Puis il faut dire aussi que je suis bien entouré. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je suis beaucoup plus forte que tout le monde. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans. Oui. Attention. Le jingle. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant 40 ans? Je me suis levé à 5h30. Non. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire le président ce soir, Gérard? Il va dire que c'est grâce des à mesures exceptionnelles d'une très grande ampleur qui ont été prises. Ouais. Tout le monde se posait la question de savoir si nous serions à la hauteur de l'enjeu. Ben, je peux vous dire que nous sommes à la hauteur de l'enjeu. Et qu'il n'y a jamais eu le conflit qu'on a imaginé avec les Allemands. Non. Et que c'est une vraie solution. Et que, évidemment, ça va privilégier l'euro par rapport aux autres monnaies. Bien sûr, oui. Prenons nos amis anglais. Ils vont souffrir de notre décision. Mais ils n'ont... C'est eux-mêmes qui se sont exclus de la zone euro. C'est pas nous. C'est pas... Non, ils ne l'ont pas encore fait. Non, et non, mais là, manifestement, ça va favoriser beaucoup l'euro. Mais monsieur le président, quelles sont les mesures alors qui vont nous concerner directement? Déjà, c'est bien. On se fait aider par les Chinois. On va être payé en monnaie chinoise. On est aidé par les Chinois. Je vais vous répondre, madame Bravo. Et comment on va faire maintenant pour taxer les Chinois sur leur économie et sur leur pollution, alors qu'ils nous sauvent la vie? Je vais vous répondre. Pourquoi les Chinois investissent-ils? C'est un fait qu'il y a en Chine de l'argent. C'est la preuve de la confiance qu'ils portent à l'euro. Ils préfèrent investir dans l'euro plus dans l'euro. Et ça, on l'avait déjà dit. T'as pas honte, Ben Guigui, de ça? Mais les Chinois, ils sont obligés d'aider la zone euro, parce que s'ils n'aident pas la zone euro, on ne peut plus acheter en Chine. Et si on n'achète pas en Chine, il y a des liquidités en Chine, donc autant s'en servir. Ils vont continuer à sous-employer, à employer des matériaux de merde. Et comme maintenant... Écoutez, madame Bravo, j'ai passé une nuit jusqu'à 6h du matin à faire chier. Vous n'allez pas aujourd'hui me contredire, s'il vous plaît. Arrêtez de faire de la politique, ça fait chier. Reparlons de toi. Moi, j'ai appris un nouveau mot avec la naissance de la petite Julia, c'est porphyrogénète. C'est quoi ça? Porphyrogénète, ça veut dire, c'est né, enfin c'est pour les princes byzantins. C'est quand le fils est né pendant alors que le règne. Papa est encore au pouvoir. Ça veut dire né dans la pourpre. Et donc, c'est la première fois qu'il y a un enfant qui naît alors que le président est en exercice. Porphyrogénète, c'est joli. Hein, c'est joli, mais c'est moi qui pose les questions ici. Christine Bravo entre en guerre contre la Chine maintenant. Ouais. Ça c'est nouveau alors. Mais ouais, qu'est-ce qui vous embête les Chinois? C'est ce que je vous ai dit, on dit qu'on va relancer l'économie française, arrêter de délocaliser, on dit qu'on va pénaliser des gens qui exploitent les travailleurs, enfants, les enfants. Et qui trichent et qui polluent et qui en plus... Surévaluent leur monnaie. Enfin aussi. C'est terrible. Ouais, ils n'ont pas une monnaie convertible. Enfin tu imagines. Merci les Chinois, donc bah maintenant oui on va se l'écraser. Et ils dumpent. On le reconnaîtra l'euro chinois, vous croyez? Il sera jaune. Oui. Il change de nom. Le riz, ça s'appelle. C'est plus le riz chinois, c'est l'euro chinois. Je signale, Christine, qu'ils ont déjà acheté le pirée, les Chinois. Oui. Et que ça fait déjà autant. Le pirée, la Grèce. Oui. Le port du pirée est chinois. Tant qu'ils prennent pas le port parisien. Parce que le cochon chinois, faut le dire. Ah ouais. Mais alors, on sera tous chinois dans combien d'années, Gérard? On sera tous chinois. Bah lui, ça fait déjà quelques années qu'il est chinois. Mais moi, je l'ai connu à 17 ans, il était chinois. Oui, même à 15 ans. Mais est-ce que tu ressens un petit peu de joie, tout ça, avec ce qui se passe en ce moment? Mais écoutez, la Chine est un pays épouvantable actuellement. Mais bien sûr, le pire modèle de société. J'adore le peuple chinois, j'aime l'histoire de la Chine. Je n'aime pas une seconde ses dirigeants. Et la façon dont ils roulent sur les enfants en plus. Je veux dire que les faits divers qu'on lit venant de Chine, je suppose qu'il y en a malheureusement d'autres ailleurs, mais je ne sais pas si vous avez vu ce fait divers. Donc là-bas, effectivement, lorsque vous avez un accident, il n'y a pas comme en France, des assurances, la sécurité sociale et tout le reste. Donc il y a un type qui écrase en camion. Il écrase une petite fille ou un petit garçon. Il l'a vu. Il avance, il se retourne, il s'aperçoit que la petite fille ou le petit garçon est encore vivant. Ouais. Il retourne l'écraser définitivement avec ce calcul simple. Si je tue cet enfant, je paye grosso modo 2000 euros. Si cet enfant est blessé et va à l'hôpital, pendant des années et des années, je vais devoir payer une pension.
pension. Et donc, il tue volontairement cette personne. Et sans arrêt en Chine, on a des histoires d'accidents. Ah bon, mais où est-ce que vous avez vu ça? Mais c'était dans tous les journaux. J'ai pas vu ça. Dans tous les journaux. Et vous avez notamment des procès célèbres de jeunes, de fils de cadres du Parti communiste qui sont dans leur superbe bagnole, qui écrasent des paysannes ou des pauvres gens et qui les achèvent pour ne pas payer d'intégralité. Pour une vieille, c'est pareil. À mon avis, c'est sur ta voiture, il vaut mieux avoir une boule derrière alors. Vous vous rendez compte de ce que vient de dire Gérard Miller, que je connais depuis que je connais Laurent Ruquier? Il dit du mal de la Chine. Mais non, mais oui. Non, mais attends, c'est incroyable. À mon amour de la Chine. Il est allé en pèlerinage. Il est allé, on a entendu parler de tout ça. Vers la voir Bernadette de Pékin. Permets-moi de te dire que la Chine d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celle des années 60. Mais indépendamment de ça, tu peux pas comprendre qu'on soit à la fois qu'on aime un pays et qu'en même temps on n'aime pas la dictature qui règne sur ce pays. Mais c'est pas le pays que t'aimais, tu le connaissais même pas, tu viens d'y aller il y a 2-3 ans. C'est pas le pays, tu aimais la politique. Si tu parles de l'époque, le costume, l'uniforme, la révolution, ça c'est vrai. Il aimait bien la révolution en Chine pop. Alors maintenant, c'est tout des criminels. Maintenant, c'est tous les fils de dirigeants qui écrasent les petites filles. On marche arrière pour bien l'achever. Alors qu'avant, c'était formidable. Et ça te fait rire. Autant de Mao. Oui. Ah, c'était merveilleux. Autant de Mao. Personne. Il n'y avait pas de voiture, donc ça fait pas. C'était dur de l'écraser à vélo et de faire marche arrière. Il faudra vraiment avoir vécu aussi longtemps que moi pour entendre autant de conneries. Je vois pas. Roselyne Bachelot en collant. Vie sexuelle de nain en photo. Quoi ? Oui. Roselyne Bachelot en collant. Vie sexuelle de nain en photo. Trouver des mots avec des lettres. Oui. Mon écureuil a des rhumatismes. Suis-je mort ? Les Français parlent au français. Non. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, ce sont des questions posées sur comment vous appelez. Sur Google. Google. Excellente réponse de Claude Sarotte. C'est comment vous savez ça, Claude ? J'ai entendu ce matin en me rasant. Enfin, en lavant les dents. À 8h10, tu écoutes Laurent Ruquier sur Europe 1. Je voulais vérifier si vous écoutiez mon presse-papier. Effectivement, j'ai pris ce papier de François. Il faut dire que c'est un extrait de bouquin, mais c'est quand même très, très drôle. C'est un livre qui va sortir aux éditions Brun, je crois, exactement. Voilà. Un livre illustré par Laurent Ribet. Ça s'appelle « Comment devenir un ninja gratuitement ». Ça fait partie, ça aussi, j'imagine, ce titre. Des questions, ont été posées. Quelles questions ? Des questions à qui ? Mais non, quand vous allez, quand faites une recherche Google, tu connais Madame Google. Madame Google. Alors vas-y. Madame Google, vous tapez bien des trucs sur Google. Par exemple, la dernière recherche que vous ayez faite, par exemple, c'est quoi ? Moi, je l'ai fait ce matin à cause de vous. Est-ce que Justin Bridoux a vraiment existé ? Qui est l'une des questions posées. J'ai eu la réponse sur Google. Et alors ? Il n'a jamais existé. Bon ben voilà. Et il y a des recherches insolites. Et ils ont fait un florilège, une compile des recherches les plus drôles, des questions les plus marrantes, les plus incroyables, les plus étonnantes que les gens posent à Google. Parce que c'est gardé. Oui, donc c'est archivé. C'est archivé quelque part. C'est atroce. Tout ce que tu as fait sur Internet est gardé. Tu veux dire toutes les saloperies que j'ai tapées sur Google. Et on sait que c'est toi en plus. Chaque fois, tu es Ruquier. Beat de Pierre Bénichoux. Tu es fliqué. Mais toi, Christine, c'est le prochain bouquet en fait. Ça va être le volume 2. Couille de Yann Moix. C'est que tes questions à toi. Tout est archivé. Tout ce que vous avez demandé. C'est pas vrai. Roselyne Bachelot en collant. Qui a pu demander ça par exemple ? Des pervers. Vie sexuelle. Des nains en photo. Film de femmes sans jambes qui font l'amour. Bon. Ensemble. Ah non, il n'y avait pas ensemble. Avec font l'amour debout. Ça, c'est une précision supplémentaire, Claude. J'en sais rien. Merci. Peut-on, mais ça doit exister. Très bien. Peut-on, réutiliser une balle de revolver plusieurs fois? Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est beau, ça. C'est une question incroyable. Non, le plus beau, c'est les phrases avec des mots, là, ce que tu as dit tout à l'heure. Quelle chanson française contient nanananana? Quel métier fait la mère du chanteur M. Pokora? Je crois pas. Mais l'être humain veut savoir. Mais comment il a eu accès à... Rôti de chien. Déguisement de balai à chiottes. Pardon. Ah, ça c'est quoi tu... Ça c'est un mec qui est... Ça c'est bravo. Devenir... Une soirée déguisée. Ça c'est peut-être Claude, ça. Ça c'est peut-être Claude. Regardez. Devenir pute en 10 étapes. Ah. Non, il y a 10 ça. Étapes. Oui. Mais oui, mais... Mais comment on faisait avant? Tripoter dans le métro. Papa encule fille en dormant. Pardon ? Vous vous rendez compte ? Il y a quelqu'un qui a tapé papa encule fille en dormant. Mais parce qu'on a son nom. Mais Google. Non, mais comment il a eu accès à tout ça, le monsieur ? À quoi servent les poils du cul ?
Non, mais ça, c'est une bonne question. Bonaldi va peut-être vous expliquer ça. Depuis longtemps, depuis longtemps. Recette cannibale. À quoi ça ? Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Je veux rejoindre Al-Qaïda. Vous écoutez pas ? Non, c'est pas vrai. Oui. Pas très malin, le garçon. Alors là, il est con, lui. Là, il est très con. Il y a tout ça, il y a tout ça. Avec quoi peut-on faire un tsunami ? Non, je te crois pas. Si. Mais c'est gouré. À mon avis, j'ai un tiramisu. Mais oui. C'était plein de fautes. C'est des analphabètes qui tapent. Ça, c'est inquiétant aussi. C'est des analphabètes. Encore plus inquiétant. Durée de l'existence d'un mort. Non, c'est des crétins. C'est génial, ça. Pas mal. Non, il veut dire du cadavre. Combien de temps il reste ? Celle-là est pas mal aussi. Est-il vrai que nous sommes en 2012 ? Non. Ça, c'est bien. Mais dis-moi, moi, je vous pose une question. Comment ce type-là qui a fait le bouquin a eu accès aux archives. Ça, je sais pas. Alors, Google garde toutes les ça, on sait. Pour améliorer son système expert, parce qu'il faut qu'il sache comprendre le sens de la phrase. Et d'ailleurs, c'est très très pratique parce que on sait comme ça quels sont les mots qui sont les plus cherchés. Alors, évidemment, c'est le mot sexe, bite, sein. Non, mais la question que je pose, c'est comment tu peux. Mais il y a des choses très intéressantes. Ça, c'est non, pas je te raconte le côté utile du truc. Ouais. C'est que, par exemple, Google, c'est avant tout le monde, avant les médecins, avant la veille sanitaire, où est-ce qu'il y a les foyers de grippe. En ce sens que les gens tapent goutonné, malade. On se dit, tiens, il y en a plein dans tel endroit. Ah, ça c'est intelligent. Alors là, Bonaldi, vous m'intéressez. C'est vachement une fois. Oui, c'est pour ça. Ah, dites donc, ça fait bien 10 ans que c'était pas arrivé. Pour Bonaldi. Se faire traiter de fureur est-il une insulte ? Ça dépend où et quand. Mais oui. Ah non, mais c'est assez marrant quand même ce bouquin. On va l'acheter hein, parce que ça, ah bah oui, non, c'est quand même drôle. Auto-suicider quelqu'un. Pas bête. Oui, c'est ça. Ça, c'est un plan machiavélique. Mais non, non il c'est machiavélique. Il y a des trucs parce l'alphabet. Qu'il y a des gens, ils mettent plus, vous voyez, dans la même recherche. Là, il y a E.T. extraterrestre, plus fellation, plus vidéo. Oh non. Ouais. Si, je vous jure. Et tu peux trouver un document là-dessus. Mais oui, tu trouves. Bah, tu cherches. On a, Christine, je voulais te dire, le détail de toutes les chambres que tu as occupées à l'hôtel Lutetia. Avec exactement tout ce qui s'y est dit. Bah maintenant, on a même des photos, je peux vous dire. On voit la Tour Eiffel. Qui a entamé une grève de la faim, si on en croit les journaux, depuis déjà presque une semaine ? Français ? Un Français, non. Mais il le fait en France ? En France, oui. Et c'est pour une cause qui vous semble juste ? Alors là, je ne me mouillerai pas sur cette histoire. C'est politique ? C'est un peu politique, mais enfin, c'est un chômeur ? On ne peut pas dire que ce soit tout à fait juste. C'est un employé d'une entreprise. Ah non. C'est un chômeur, un licencié ? Ah non. C'est un homme politique ? Non. C'est Rachida Dati ? C'est quelqu'un qui se mêle de politique, mais qui n'est pas un homme politique. C'est Rachida Dati qui aurait fait une grève de la faim ? Ouais. Pourquoi ? Par rapport pour migrer, hein, tant que Fillon veut pas voilà. rester par dans la Sarthe, elle fait une grève de la faim. Voilà. Mme Dati fera une grève de la faim. Non. Régime. Pourquoi c'est un artiste qui s'occupe d'autre chose. Non, c'est pas un artiste. Il le fait place. Il le fait à Paris. Devant le ministère Non, c'est pas devant un ministère. C'est à Paris. Dans une prison. C'est à Paris. C'est dans une prison. Ah, il est victime d'une erreur judiciaire. Ah, on peut pas dire ça, non. Il a fait un bouquin. C'est Carlos le terroriste. Le terroriste Carlos. Bonne réponse de Jean Benguigui. Tout ça, c'est à cause du pauvre, du grec. Expliquez, Jean. Vas-y, Jérôme. Eh bien, Carlos, il a répondu au téléphone à Nikos. Interview exclusive géniale à Europe 1. Et dans Libé aussi. Et dans Libé. Et du coup, le patron de la prison de la santé, il n'est pas content, il a mis Carlos au secret. Parce qu'il dit, on ne peut pas parler, on n'a pas le droit de répondre aux journalistes. Alors qu'il était dans un truc VIP un petit peu. Mais comment il a fait ? Téléphone, il a le droit à un téléphone par jour. Avec son avocat ou avec un ami. Donc il a le droit de parler, ami. Nikos, il a travaillé des semaines. Mais Nikos, il est l'ami de tout le monde. Oui. Donc on va pas dire Carlos. Et d'ailleurs, c'est une erreur au départ, parce qu'il voulait interroger le chanteur. Il savait pas qu'il était mort. L'attaché de presse, évidemment. L'attaché de presse qui est très intelligente, elle a dit même tout de suite. Carlos, donc elle en a dit, il y en a qu'un, puisque l'autre est mort. Donc elle s'est démerdée. Et là, d'un seul coup, elle revient à l'attaché de presse, elle dit à Nikos, ça y est, j'ai obtenu une interview de Carlos. Lui dit sortez-moi tataillé, poupouillonné, tout nu, tout bronzé, la cantine, machin et truc. Et là, il dit mais non, j'ai eu une interview du terroriste. Alors là, bien obligé, il fait l'interview. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Non, mais il est fort, Nikos. Il fait même l'interview de Jude Law.
Ouais, c'est demain. Qu'est-ce que c'est, Jude Law? Demain, parce que j'ai pensé à vous, Laurent. Jude Law a quand même commis moins de crimes que Attendez, Jude Law sera ici à 8h25 demain, Laurent. Ah non, mais là, moi, j'en suis malade. Qu'est-ce que c'est, Jude Law? Laurent, il sera là demain à 8h25. Ça t'emmerde. Ah oui, ça s'il vous plaît, les enfants. Qui est Jude Law? Qui c'est? C'est un petit gros chauve, monstrueux. Vous connaissez que lui, Jude Law. Il est moche. Ah, j'ai cru que vous pariez comme Lego. Je ne sais quoi, Jude Law. Jude Law. Mais oui, Jude Law. Tu sais ce qu'il te reste à faire demain alors? Jude Law, moi j'ai cru que vous parliez d'un nouveau Lego. Fleurs, fait quelque chose. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nikos va l'interviewer demain. Et Nikos, c'est quand même. Ah, j'aurais rêvé. Enfin, en même temps, il paraît qu'ils ne seront pas dans la même pièce. T'es sûr? Ah, sûr. Mais moi, je pense que Jude Law va faire la grève de la faim parce que ça ne sera pas Laurent Ruquier qui l'aura interviewé. Non, mais toi, avec ton anglais de shit, t'imagines avec Jude Law. Il parle très bien français, Jude Law. Mais bien sûr, c'est vrai. Ses parents vivent en France. J'ai l'adresse. Autant pour moi. Mais t'es fan, groupie. Ah bah, Jude Law, c'est vrai. Jude Law. Vous êtes d'accord, Christine? Bah oui, c'est quand même un des plus beaux mecs. Moi, ça ne me fait rien, mais. Non, moi, écoute. Non, il est complètement très beau gosse. Il est beau gosse. C'est le plus beau gosse. C'est pas le plus beau, il y en a d'autres. Oh là là. Dans quel pub on le voit, Jude Law? Dans quel pub on le voit? Tu sais, avant le grand journal le soir. Il est au téléphone avec une femme. Expliquez. Mais il y a une. Tout le monde la connaît, cette pub? Non, moi, je connais pas. Il est dans un palace à Paris. Il y a une femme qui l'appelle avec une voix mystérieuse. Elle lui fait, mais. Quand on se verra, comment je saurai que c'est toi, hein, c'est ça? Oui, il dira, tu sauras. Ne t'inquiète pas, quand je serai là, tu sauras que c'est moi. Ah. Et là, il y a suspense. Il part en voiture sur les quais décapotables. Il fait, je vais la niquer, tout ça. Il arrive comme ça. Au Trocadéro. Il a au Trocadéro face à Tour Eiffel. Et là, ils sont que deux. Comment je saurai que c'est toi? Magnifique. Tu vois un peu le plan. Le plan est magnifique. Grâce au parfum ou quoi, ils sont que deux, quoi. Mais Titoff, il y a un truc magnifique, c'est quand il y a un coup de vent et la cravate fait ça. Ah ouais, ouais. Ça, c'est ouais. Beau. Moi, j'avais fait l'audition. Hein, j'avais fait ça. Comment vous saurez que c'est toi? Mais c'est un américain de merde. Ah là 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 là. C'est dans quel film là où il sonne à la porte? Non mais en plus c'est Cameron Diaz, elle est malheureuse toute seule, son mec l'a quittée, elle est dans la neige, puis c'est lui qui sonne à la porte. Oh là 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 là. Est-ce que tu veux que j'enferme Nikos Aliagas demain chez lui? Oui. Hein, on l'enferme chez lui et on dit ça, il faut quelqu'un pour l'interviewer. Qui est là? C'est toi qui fais l'interview. Quoi? Il a raison. On va enfermer Nikos demain chez lui. Et c'est toi qui fais l'interview. Puisqu'il sera pas là, Nikos, au rendez-vous. Non. Mais vous l'avez déjà dit, hein, on n'est pas couché. Non, mais tout est toujours pour les mêmes, Carlos. Jude Law. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Claude Sarraut, Gérard Miller, bravo, Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi et Titoff sont avec vous. Encore une heure. Geneviève, Maxime, bonsoir. 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 Geneviève est à Lavaur, dans le Tarn, c'est bien ça? Oui, c'est ça, comme les biscuits de Jérôme. Très bien. Vous êtes bien écouté. Et que faites-vous dans la vie, vous, Geneviève? Je suis conseillère pédagogique en langue vivante. Conseillère pédagogique en langue vivante. Pouvez-vous aider Claude Sarraut à mettre son micro, monsieur Titoff? Ah oui. Le bébé que j'entends, il vient d'où? Alors, il y a la mienne et il y a son cousin qui est là ce matin. Donc, ah, mais c'est le cousin, la vôtre, elle est sage. C'est le cousin toujours. Exactement, qui fait chier. Exactement, c'est le cousin qui fait le bazar. Mais c'est Nathan. Mais ouais. Comment il s'appelle? Lui, c'est Nathan et ma fille, c'est Tiffany. Nathan, ta gueule! Oh non! Il a quel âge? Nathan, il aura un an le mois prochain. Mais voilà, il faut qu'il apprenne la vie un peu. Geneviève, vous allez affronter Maxime qui est à Montpellier. Bonsoir Laurent, bonsoir toute l'équipe. Oh, il a l'air posé, Maxime. Là, il faut pas qu'on l'emmerde alors, Maxime. Hein, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, vous, hein? Je suis tranquille, oui. Eh, tranquille, comme à Montpellier. Et faites quoi dans la vie, Maxime? Je suis étudiant en économie. Et tu veux faire une carrière à la Strauss-Kahn? Ouais, exactement. Le Bello Sofitel et tout ça, parfait. Le Carlton, le Sofitel, le Lutetia. Ah non, pas le Lutetia pour vous, c'est les jardins de Saint-Benoît. Au cœur des Corbières, dans l'Aude. Deux nuits, on vous offre un joli séjour au jardin de Saint-Benoît. Ces maisons de village et maisons vigneronnes déployées autour d'une bastide traditionnelle. L'atmosphère d'un petit village languedocien, Gérard. Avec son allée centrale, plantée de platanes, ses potagers médiévaux bio. Son Front National à 25%.
son oliveraie, son vignoble, ses ruelles piétonnes d'une grande sécurité. Oui. Une grande piscine extérieure chauffée, deux terrains de tennis, des activités telles que des cours de cuisine, des dégustations de vin, des cours de yoga, une mini-ferme et un kid club pour enfants, Geneviève. Vous pourrez emmener Nathan. Oh, ben, j'emmènerais plutôt Tiffany. Elle n'aime pas son neveu. Geneviève, Maxime, voici la question qui va peut-être vous permettre de gagner ce séjour au jardin de Saint-Benoît. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. À moins que vous ayez un petit message à faire passer l'un ou l'autre, profitez de l'antenne de repas. Allez-y alors. Ben, moi, c'est un petit message pour Gérard Miller que j'adore. Ah c'est ça. C'est pas souvent, alors il faut bien en parler de temps en temps quand même. Oui, bien sûr. C'est juste pour lui dire que j'étais un compatriote à lui. Compatriote en un seul mot, bien sûr, quand même. Ouais. Ouais, t'es chinois. Et parce que je suis ardéchois d'origine, donc voilà. Parce que maintenant, Gérard Miller, je vais passer pour un ardéchois d'origine. Mais on aura tout vu. Un ardéchois d'adoption. Je vous salue. Et vous êtes déjà allé dans le restaurant de Gérard? Ah non, c'est parce que moi, je suis dans le sud et lui est dans le nord, donc c'est un peu compliqué. Eh oui, c'est large, l'Ardèche. Oui, les routes sont tortueuses. Oui, oui. Exactement. Geneviève, rien à ajouter? Oh, mais moi, je vais peut-être en profiter pour faire un gros bisou à mon grand garçon qui est en vacances chez son papa. Parfait. Alors, voici la question qui va vous départager, Geneviève et Maxime. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades qui m'entourent dans ce studio au repas. Ça l'excite, ça l'excite. Elle va être très tordue quand il rigole comme ça. C'est pourquoi dans France Soir, aujourd'hui, parle-t-on d'un coprin chevelu? D'un copain? Ça, c'est un champignon. Et alors, Geneviève? Et alors, c'est le surnom de quelqu'un dans ma famille, mais ça va pas vous avancer beaucoup. C'est pour ça que je connais ce champignon. Mais vous avez la bonne réponse, alors allez-y, Geneviève. Ça veut dire que... Ben, je sais pas, c'est la saison, il y a plein de coprins chevelus. Et voilà! Bravo, Geneviève! Alors là... Maxime, vous connaissiez le coprin chevelu, vous? Pas du tout. Non. Eh ben oui, c'est un champignon, le Coprinus comatus, le coprin chevelu qu'il faut absolument cueillir avant novembre. Et manger très vite. Et manger très vite. Sortez votre panier à champignons, ce sont les dernières semaines pour se donner à la cueillette, nous dit François. La rose des prés, le marasme des oréades, l'oreille de Judas, la trompette des morts, la mort. Pleurote des morts, la pleurote en huître, le bonnet baie. Le bonnet baie. Non, le bonnet baie. Alors, c'est le moment. Vous n'êtes pas spécialiste des champignons, Maxime? Pas du tout, non. Ah, mais voilà pourquoi vous êtes perdu. Elle est perdue, Maxime. Et c'est Geneviève qui va donc profiter des jardins de Saint-Benoît. Super, super. Merci beaucoup. Un gros clin d'œil à mon grand-père qui m'a aidé de là-haut. C'est vrai, tant mieux. Ah oui, c'est lui qui avait surnommé le petit ami d'une de mes cousines comme ça, parce qu'il avait un peu les cheveux longs et un look bizarre, donc il l'avait appelé coprin chevelu. Ah bah, vous voyez comme quoi, c'est drôle, ça sert. Ouais, hein. Ouais. C'est grâce aussi un petit peu à ce fameux ami chevelu là. Voilà, qui est aussi. Là-haut aussi, donc je l'ai. Ah oui, il est là-haut aussi. Il y a eu un regroupement familial là-haut. Ouais. Ouais. Bah parce qu'ils bouffent tous des champignons, mais ils vérifient pas. Pardon, Geneviève, vous nous tendez des perches aussi. Ouais, bah écoutez, ça peut rendre service avec. Plaisir. Ah bah voilà. Enfin, je sais pas si ça mérite quand même un week-end. Elle est drôle. Hein. Elle est drôle, Geneviève. Elle est drôle. Maxime, je suis désolé. Hein. Oui, Laurent, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y aurait des gens qui passeraient à Montpellier de votre équipe? Moi, je vais descendre à Montpellier bientôt pour aller voir Michael Gregorio qui fait son spectacle. Effectivement, j'y serai. Et alors? C'est tout ce que vous voulez savoir? Non, il veut peut-être des places. Moi, je suis à Nîmes. Je joue à Nîmes, juste à côté. Je vous offre des places. Il y a un Zénith à Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, il doit passer au Zénith de Montpellier. Je vous offre des places pour Gregorio au Zénith de Montpellier. Ça vous va? Ben merci beaucoup, Laurent. Et moi, je suis à Nîmes, juste à côté, la semaine du 15 novembre, quelque chose comme ça. Mais je t'offre pas de place. Merci beaucoup, Titeuf. Moi, je suis au marché Saint-Charles, à Perpignan, mais bon. Qu'est-ce que tu fais? Des fruits et légumes. Putain, t'as une vie, toi. Et du photovoltaïque. Je serai avec Ben Guigui, parce que j'ai pas que des copains chevelus. Une association internationale a demandé en 2002 à l'UNESCO que soit classé comme patrimoine mondial de l'humanité quelque chose vraiment auquel je ne pouvais m'attendre et que certainement vous ignorez vous-même. C'est en France. Si on l'ignore, on va pas répondre. Ah bah c'est la question. C'est le genre monument. C'est pas un monument, justement. Mais c'est genre château de la Loire. Je peux pas vous donner le nom de l'association internationale qui est pour la protection de quelque chose. Hein, je vais vous dire quand même. L'association nationale pour la protection de quelque chose a demandé en 2002 à l'UNESCO à ce que soit classé comme patrimoine mondial de l'humanité. Quoi donc?
Une bête ? Non, pas une bête. Une tradition ? Non. C'est quelque chose de tradition. Une culture ? Une tradition. Un spectacle ? Ah, bah c'est les toreros ! Non. On ne peut pas dire une tradition. Genre gastronomie. On ne peut pas dire une culture non plus. Bon. Pas la gastronomie. Une mauvaise habitude ? Non, on ne peut pas appeler ça une mauvaise habitude. Une bonne habitude ? Certains aiment ça, d'autres pas. Nous, on aime ça. Vous, vous aimez plutôt ça. Et moi, est-ce que j'aime ça ? Écoutez, on ne peut pas faire autrement, ça existe. Voilà. Bon. Comment ça, on ne peut pas faire autrement ? Est-ce qu'on l'utilise ? Tout le, bah, certains plus que d'autres. Pierre Bénichou l'utilise plus que d'autres, par exemple. Se gratter le nez ? Non. Il l'utilise depuis qu'il se est vieux. Se gratter le nez pour classer patrimoine de l'humanité. Bah, Bonaldi, réfléchissez. La crotte de nez, c'est un truc typiquement. Est-ce qu'il l'utilise plus depuis qu'il est âgé ? Non, je dirais plutôt moins depuis qu'il est âgé. Il l'utilisait lorsqu'il était dans un pays proche et ami. Ah, c'est le préservatif. Hop ! Patrimoine de l'humanité. Mais non, bah, cette protection, elle on est internationale. Enfin, protéger un truc qui se fait dans le monde entier. Qui se fait dans le monde entier. C'est pas qui se fait, ça existe. C'est un jeu ? C'est pas un jeu. Mais c'est... Ah non, mais j'ai été épaté, j'ignorais. C'est matériel quand même, c'est pas on est d'accord. C'est pas matériel. C'est pas quelque chose de vivant. Vivant, oui, enfin vivant, non. Mais je veux dire, c'est de l'ordre du concept. C'est totalement immatériel. Ah oui, voilà, on peut dire ça. Est-ce que c'est sonore ? Est-ce que c'est sonore ? Alors sonore, ça dépend des endroits, mais non, pas spécialement, non. Pierre s'en sert beaucoup, non. Pierre plus que d'autres, ça plus c'est certain. Plus qu'un oreiller ? Que nous tous réunis. Et c'est moi, pas le stylo, donc, parce qu'il est vous quand même assez non plus, non, non. la cravate en soie. C'est pas le stylo, le salaud. La c'est pochette. C'est un moyen de communication ? Non, 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 non. Ah bah, lui estime que oui, c'est un moyen de communication. La chanson, donc c'est la chanson populaire. Ah, c'est la prière, ben voilà. Non, mais c'est la pas la prière. Ni la prière, le ni la chanson. Le grommelot. Le paix. En tout cas, le paix patrimoine de l'humanité, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ce serait le grommelot ? Mais il communique comme ça, comme le hareng, en pétant. Ah, dis-moi, le grommelot. On va le répéter à Pierre Bénichou, ça. Non. L'argot ? Pas l'argot. Qu'est-ce qui caractérise Pierre Bénichou ? Un peu notre ami Titoff aussi, quand même, autour de la table. La vieille chanson française. Même si c'est plus. Le retard. Non, pas le retard. Qu'est-ce qui caractérise Titoff ? La sieste. La beauté, l'intelligence. La sieste ? Non, la sieste, non. Parler en dormant ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il parle en dormant, lui ? Pierre. Ah oui, mais tu dors, souvent avec lui. Ah bah, l'autre jour, dans le train, on a oublié de lui dire, il téléphonait. Ouais. J'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez étonnant, si je vous jure. Oui, oui. Il n'avait pas de téléphone et il était en train de téléphoner. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on est à côté. Expliquez, Jérôme. Mais il est dans son fauteuil. Et il dort complètement. Et d'un seul coup, on entend. Alors, oui, il faudrait. C'est plus du qualitatif que du quantitatif. On dit, tiens, il téléphone. On regarde un peu plus près. Et non, il téléphonait pas. Il dormait. Mais c'est comme s'il téléphonait. Ouais. Et quelqu'un lui répondait. Non, mais puisque je te dis que c'est comme ça, une vraie conversation au téléphone. Donc, c'est des hallucinations. Mais c'est long. Hein. C'est toujours c'est les gens qu'on appelle en psychiatrie un automatisme. Et il s'est réveillé quand il a raccroché. Ouais. Mais vous croyez qu'il a payé la communication ou pas ? Les bobards. Non, pas les bobards. Mais qu'est-ce qui vous a surpris, Laurent ? Vous ne pensiez pas ? Que quelqu'un pourrait avoir l'idée un jour de demander à ce que soit classé comme patrimoine mondial de l'humanité. La mauvaise foi. La... Pas la mauvaise foi. Voilà. Le mensonge. La foi. La mauvaise blague. La poisse. Non. La tchatche ? Non. Ça n'appartient pas à Pierre Bénichou. Je vous dis que lui en profite plus que d'autres. Mais ah, on profite. Un petit offre aussi. C'est payant ? Non. La prostitution. Non. Non, mais c'est pas ou quoi ? Attendez. Non, mais je cherchais. Mais on cherche quelque chose. Non, mais ça va, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, la prostitution, c'est plus... plus proche de ce qu'on cherche. Enfin, non, mais oui. C'est un peu sexuel, votre truc. Du tout. L'amour ? Le pelotage. Non. Bon, mais... c'est lié aux femmes, alors, la femme. Pas du tout. Ça concerne les hommes, les femmes. Je veux bien être associé à Pierre de temps en temps. Ça concerne les hommes, les femmes, les animaux. Et les enfants. Qu'est-ce qui caractérise plus Titoff et Pierre Bénichou que nous autres tous réunis autour de cette table ? Ils sont en hétéro ? Ils sont du ils sont velus. L'hétérosexualité classée patrimoine de l'humanité. Va falloir y penser, remarquez. Les origines ? Non. Ils sont velus ? Non. L'accent ? Non. Où est-ce que vous les voyez souvent ? Au bar. Non. Oui, mais quand ? La nuit. Les noctambules. La boîte de nuit. Ah ben oui, la boîte oui. de nuit. Non, vous l'avez dit ? La nuit. La réponse, c'est la nuit. Oui, c'est vrai. Excellente réponse de Gérard Miller. Je vous ai aidé, hein. Mais ça suppose des explications. Ah oui, c'est difficile. Je vous ai aidé parce que jamais vous n'auriez donné la réponse. En effet, en 2002, l'Association internationale pour la protection du ciel nocturne a demandé à l'UNESCO de classer la nuit comme patrimoine mondial de l'humanité.
parce qu'on trouve qu'il y a trop de lumière. C'est insupportable. Ah, il y a trop de pollution. C'est mais c'est les astronomes qui font ça. Ah, effectivement, la pollution nocturne est une catastrophe. On ne voit plus le ciel. Voilà. Moi, je croyais que je ne voyais plus d'étoiles parce que j'y vois plus très clair. Mais non, c'est qu'on on t'empêche de voir les étoiles. Cette volonté de renouer aujourd'hui avec le noir n'est pas que d'ordre écologique, elle est également d'ordre de sécurité routière. En effet, diverses études ont révélé que les routes non éclairées entraînaient plus d'inconfort, mais plus de vigilance de la part des automobilistes. Oui. Donc, moins d'accidents. Oui. Et voilà pourquoi on milite même pour éteindre les lumières autoroutes. Sur les autoroutes. Ça ferait une consommation d'énergie. Et qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Il est énergique. Je s'en fous. Il est complètement absurde. Mais non. Non, arrête, tu vas pas. Dans la nuit noire, ils viennent de nous voitures, expliquer qu'il n'y a plus voitures. D'étoiles. Bah oui, dans une voiture, ou même à bicyclette. Tu es dans une nuit noire, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a pas rarement la lune. Alors comment tu fais? Tu te cognes les phares de ta voiture. On a inventé les phares, c'est un truc génial. Il y a moins d'accidents quand les autoroutes ne sont pas éclairées. Mais à condition que le marquage soit fait. Oui, et puis parce que souvent il y a moins de voitures aussi, quoi. En tout cas, la nuit, vous auriez pu trouver parce que c'est quand même effectivement le moment de la journée que préfère Pierre Bénichou. Oui, la nuit et Titoff aussi. Oui, mais c'était pas du tout dans ce concept-là. Moi, je pensais boîte de nuit quand t'as dit ça. Ah oui, mais la nuit. Parce que la nuit, ils s'en foutent des étoiles. La nuit classée patrimoine de l'humanité. Bon, ça n'a pas été accordé pour l'instant par l'UNESCO. Ça devrait l'être. Mais c'est une belle demande tout de même. Mais il faut lutter. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Eh oui, qui est là ce soir avec nous? Enfin, pas encore avec nous dans le studio pour l'instant, à quelques mètres seulement, voix modifiée, transformée pour répondre à vos questions. Bonsoir, invité. Bonjour. Ah, bonjour. Un petit accent. Vous allez pouvoir répondre à mes camarades Gérard Miller, Claude Sarraute, Titoff, Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi et Christine Bravo vont vous poser des tas de questions. Attention, uniquement oui, non, dans un premier temps, ou alors des phrases, mais très courtes. C'est parti. Est-ce que dans votre enfance, il vous arrivait de porter des jupes? Non. D'accord. Ça veut rien dire, hein. Bah, son sexe est refusé. Ça veut dire que c'est un garçon. C'est un petit garçon. Vous avez de l'humour, n'est-ce pas? Peut-être. Et... C'est un peu lent à la détente, hein, par contre. Vous êtes en traduction simultanée? Non. C'est peut-être jeu de l'eau. Oui. Vous connaissez. C'est peut-être jeu de l'eau. Parce que le temps, c'est traducteur. Vous êtes vraiment dans la loge? Est-ce que dans votre activité professionnelle, vous changez souvent de costume? Non. J'entends rien. Qu'est-ce qu'il dit? Oui ou non? Non. Il a dit non. Non. Ah bon? Faites signe de la tête, ce sera plus simple. Est-ce que vous avez un look décontracté? Il aboie. Je n'entends rien. Il a dit yes. C'est pour montrer que... Si en plus il parle anglais. Est-ce que vous êtes polyglotte? Pas du tout. Est-ce que quand vous avez fini de travailler, vous entendez des applaudissements? Heureusement, oui. Ça dépend, oui. Ça dépend. Est-ce que vous faites des beats parfois? Non, c'est pas pour ça, mais il y a une partie de son travail où parfois il y a des applaudissements, puis une autre partie où il n'y en a pas. Ah, ça veut dire que tu fais de la télé. Mais dans la télé, il y a beaucoup d'applaudissements. Mais non, justement. Si. Non, il ne fait pas de télé. Est-ce que vous faites de la politique? Non. Est-ce que vous regarderez ce soir à la télévision le président de la République? Oui. Est-ce que vous êtes parisien? Pas tout à fait. Banlieusard. Est-ce que vous êtes né en France? Ah, voilà. Vous avez vos papiers? Vous êtes en règle? Attends, j'en ai une. C'est... Je fais ce que je veux. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Quelle bonne question! Bonne question! Ça, c'est bien, Claude! Quel journaliste! C'est de l'investigation! Claude Sarraute, il pipipe! Oui, on le reconnaît dans la rue, Claude. Je peux répondre à sa place. Et voici un premier indice, car je sens que vous en avez besoin. Mon cher Albert. Voilà un premier petit indice, vous l'avez compris, saisi évidemment, invité. Oui, absolument, bien sûr. Est-ce que vous avez travaillé avec Jean-Yann? Non, hélas. Est-ce que vous connaissez bien le capitaine Haddock? Non. Pourquoi le capitaine Haddock? Albert Algou, dictionnaire des jurons du capitaine Haddock. Non, mais il a mal répondu à ma question. Vas-y. Est-ce que tu fais de la télé? Je voulais dire, est-ce qu'on te voit à la télé? Oui. Tu veux dire, lorsque vous passez à la télévision, est-ce qu'on le voit? Ça, non. Tu veux savoir. Est-ce qu'il passe à la télévision? Comme tout le monde, Claude. Mais on ne peut pas le voir si tous ceux qui sont dans la loge sont des personnalités, donc ils passent à la télé. C'est vraiment une mauvaise question. C'est ça.
Mais c'est ça, engueule-moi. Mais oui. Franchement, t'es autant t'es bonne dans la... À partir du moment où vous pouvez deviner qui c'est, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe public. Voilà. Pas toujours. Non, mais ça, vraiment, Claude, tu nous déçois. Hein. Mais vous étiez au début... Prends encore des pilules, parce qu'au début, t'étais vraiment bien, et là... Je crois que Jean Benguigui... Non, tu vas me faire plonger. Hein, ouais. Allez-y, Jean, notre invité, c'est... Francis Lalanne, mais c'est pas ça. Je vais noter Francis Lalanne. Ça le fait rire, êtes-vous Francis Lalanne? Non, il faut que Benguigui arrête de fumer du hashish. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous êtes bien installé dans notre loge d'honneur, invité? Oui, il y a du bruit en tout cas. Je sais pas ce qui se passe. Olivier de Kersauzon est revenu et on nous a pas prévenu. Invité, vous êtes toujours là? Mais avec plaisir. Ah. Bon, dans la chanson précédente de lundi, il fallait regarder le prénom Albert, le symbole sexuel que vous êtes, le corps parfait dont il parle. Les trois. Vous êtes beau mec? Ça dépend des goûts. Non, on peut pas dire que je sois Jude Law. Ouais, mais elles disent que. En général, elles sont nombreuses à dire que vous êtes plutôt pas mal. Pas mal. Ouais. Ouais, mais s'il est connu, attends, c'est facile. Toi. Est-ce que c'est votre notoriété qui vous rend beau, demande Christine. Ah non, quand même. Enfin, avant d'être connu, j'ai quand même eu des combien rares. Ouais. À peu près, combien d'histoires avant d'être connu, combien d'histoires après. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez été connu très jeune? 29 ans. D'accord. Il y avait déjà la télé? Il y avait trois chaînes. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire au moins un livre? Ou, en tout cas, il y a un livre qui a été édité. Un livre édité. Genre Gallimard, NRF? Non. Un deuxième indice, parce que là, vraiment, vous pataugez lamentablement. De façon très organique, comme ça, comme un arbre qui pousse. J'ai commencé à interviewer des gens, et puis ça a grandi. Et puis après, je me suis dit que c'était important de le faire, et c'est devenu un film. C'est devenu un film, mais je n'avais pas décidé à l'avance que je ferais un film. Alors voilà, il faut reconnaître la voix, évidemment, de cette dame. Vous l'avez reconnue, vous, cette voix, invitée? Oui, bien sûr. Et c'est oui. Catherine Breillat? Non, c'est pas Catherine Breillat. C'est la femme de notre invité? Ah non. Mais c'est un bon indice. Vous avez des gens célèbres dans votre famille? Un petit peu. Mais pas dans la même profession que vous? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Est-ce que j'ai le droit de demander? Oui. Tu fais des one-man shows? Ah non, tu peux pas demander ça. Non, tu peux pas. Non, une autre question, Claude. Est-ce qu'il t'arrive d'être seul en scène? Non, il peut pas. Elle est drôle, quand même. Hein. Vous pouvez répondre. Ah oui. Oui. Ah, bah voilà. Ah. Est-ce que vous êtes écolo? Est-ce que ça se sait, quoi? Non, c'est pas Marc Jolivet, si c'est... Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui, je crois. Vous en faites état. Donc, oui, vous êtes plutôt de gauche. Oui. Donc vous êtes plutôt de gauche. Oui, exactement. Voilà. Et vous ne le cachez pas. Sinon, non, pas vraiment. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as fait des films? Tu as joué dans des films? Oui. Mais c'est le bouquin qui m'embête, moi. Son livre. Il a un bouquin. Je crois que le bouquin, vous pouvez oublier. C'est pas le bon indice. En revanche, des films, oui. Beaucoup de films, même. Ah oui, vous... Est-ce que vous avez déjà tourné dans un film drôle, dans comique de Marcel Pagnol? Non. Du Pagnol, non, ce n'est pas Smain. Est-ce que vous. Vous chantez en plus? Attendez. Non. Est-ce que lorsque. Vous avez beaucoup d'enfants? Deux. Est-ce que lorsque vous faites du one-man show, ce sont vos propres textes, en règle générale? Ah, vous avez eu pas mal dans votre vie de compagnes célèbres? Non. Merde. Un indice pour vous aider, un bon indice cinématographique. For 15 years, Harry Tasker's been leading a double life. Mr. President, one of our best men is inside. Transmitting. Now, they're about to collide. What's your exit strategy? I'm gonna walk right out of the front gate. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. True lies. C'est pas mal cet indice, invité, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes vraiment vicieux. Est-ce que vous avez commencé par être dans une troupe? Oui. Ah, Gérard Miller a trouvé. Alors, j'aimerais qu'on ait un deuxième. Vous ne dites plus rien, Gérard. Alors, est-ce qu'il faut qu'on cherche du côté de True Lies? C'était la bonne idée, Alors, Laurent. C'était effectivement le film True Lies dont on a entendu la bande-annonce. Vraiment. Mais vous êtes à Merloc? Alors, écoutez, puisque quand même, il faut qu'on notre invité nous rejoigne. Oui. Gérard, vous êtes le seul, allez-y. Thierry l'ermite. Non. C'est dégueulasse, comment tu l'as piégé? C'est honteux. C'est honteux.
limite, enfin. Il est méchant, Laurent, de lui faire ça. Il était son ami. Il était trahi par tes amis. Non. Il aurait très bien pu attirer l'armée. Il a commencé dans une troupe. Il n'a jamais fait de one-man show. Peu importe. Ah bah non, pas peu importe. Ça vous amuse qu'il ne trouve pas ? Énormément, parce que... Est-ce qu'on a tourné ensemble, nous, par exemple ? En fait, ça, c'est une très bonne question. Je pense pas qu'on ait tourné ensemble. Mais par contre... Oui, mais il va tomber sur les fesses quand tu vas savoir. Alors, mais c'est True Lies, c'est un film américain. Attention, ils sont vous deux. Vous avez joué un rôle d'espion. Ils sont deux, ça y est, à avoir trouvé autour de la table. Je suis sûr que c'est ça. Là, je suis sûr. Mais alors, moi, je pense à mes. Allez-y, petit œuf. Michel Bougenat. Oui, c'est Michel Bougenat, notre invité. Moi, je pense depuis le début, je pense à ça. Michel Bougenat, notre invité d'honneur pour son one-man show enfin libre au Théâtre du Gymnase à 19h. Vous êtes des caves. Mais j'ai trouvé. Mais t'es pas français. On n'a pas posé la question, Michel, c'est né en France. J'ai demandé. Ah non, merde. J'ai dit né en France. Enfin, Ben Guigui, alors là, Jean Ben Guigui, vraiment, je suis désolé, mais quelle honte sur vous, ça bat. Oui, surtout qu'on s'est connus sur un film qui s'appelle Les Camisards. Des stagiaires. Où j'étais esclave, même pas stagiaire. Il avait 14 ans, peut-être, c'est ça ? Ouais, enfin un tout petit peu plus. Et mais... il n'arrêtait pas de parler toute la journée, on n'en pouvait plus. Ah, mais j'avais un indice. J'avais un indice pour votre premier film, mais je ne l'ai pas passé. C'était l'indice numéro 2. Je ne sais pas si ça aurait aidé mes camarades. Alors, Octa, tu crois que tu vas y arriver ? Si tu n'y arrives pas, tu n'hésites pas à me téléphoner. Hein. Même à la maison. Hein. Même à la maison, tu me téléphones, Octa. Quelle horreur, c'est Robert Castel que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui nous écoute en plus, Robert Castel. Clair, hein. Je l'embrasse très fort, mais vraiment ce film, la vérité. Quelle horreur. Ah oui, pourquoi vous me ressortez parce que j'avais cette C'est indice. Ça qui est horrible dans le cinéma. C'est que ça te poursuit toute ta vie. Mais c'est quoi le film ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ? Mais mon Dieu. Bon, c'est pas si mal. C'est un de tes meilleurs rôles quand même. Mais mon Dieu, sauvez-moi. Bon alors, parlons plutôt. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai que t'es pas mal, mais tu vois, je te trouve plus beau maintenant que quand je t'ai connu il y a une vingtaine d'années. Maintenant, je trouve que t'es un beau mec. Les cheveux blancs lui vont bien. Vachement bien. Ça, c'est vrai. Elle a raison, Christine. C'était devenu un beau mec. T'as peut-être plus fin qu'avant aussi, Christine. Non. Et puis, votre vue a baissé aussi, Christine. Vous êtes trop con. T'as bien fait de venir, mais je te l'ai fait. C'est un très bon moment. Et les coups sont plus rares aussi. Ne ris pas. C'est pas Michel, pardon, mais ne c'est pas du rentre dedans qu'elle te fait. Je te fais un compliment. Non, merde. Mais je suis touché, je suis touché. Je suis beaucoup moins touché par leurs remarques idiotes. Mais ce que vous dites, monsieur Riquet et madame Bravo, me fascine. Oui. Est-ce que tu en es conscient ? Que je suis plus beau ? Oui. Non, tu lui fais peur, Christine. Le premier indice. Eh oui, Albert. C'est un titre d'un spectacle. Le premier One Man Show. C'est vraiment vicieux. Faut le prouver. Ah, tu sais, il faut enlever Albert. Chercher, là. Ah, mais c'était le premier indice. Non, en mais même c'est temps. Un bon indice. Eh ben oui, ouais, oui là, quand j'aurais même. Dû trouver déjà. Ouais. Ouais. Enfin libre, c'est le quantième One Man Show. Le neuvième, je crois. Neuvième, déjà. Ça fait 32 ans maintenant. À 19h au Théâtre du Gymnase, tous les soirs, vous éclatez sur scène. Je suis fou de joie de jouer. Je suis fou de joie de jouer à 19h. C'est la première fois de ma vie. Et c'est extraordinaire de jouer à 19h. Ils sont pas pareils les gens. Hein. Les gens sont super en forme. Ils sont pas angoissés parce qu'ils savent très bien qu'ils pourront dîner ou rentrer à la maison juste après. Oui. D'ailleurs, à Londres, c'est 19h30. Exactement. Bah, Gérard, je vous en parle tout le temps, Gérard. Gérard arrive au théâtre à 19h. Lui, il va au théâtre à Londres. Et il revient à Paris. Oui, c'est 19h30. Il prend l'Eurostar, il va là-bas, il revient. C'est incroyable. C'est un horaire génial. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et je suis évidemment fou de joie de jouer parce que je suis encore plus libre parce que j'étais pas obligé de le faire. J'étais malheureux parce que j'avais joué à l'Olympia pendant 2 semaines. Et 2 semaines, c'est très court pour moi. J'ai pas le temps. Donc, monsieur Charlie Marouani, mon impresario, je lui ai supplié de me trouver un endroit pour jouer encore un peu parce que je voulais jouer et ça se passe super bien. Souvent, les humoristes, enfin, certains en tout cas, hésitent à sortir un DVD de leur spectacle avant que le spectacle soit vraiment terminé sur scène. Vous, le DVD est déjà en vente. Oui, mais. Alors, expliquez. Vous faites rire. Et moi, dans ma vie, j'ai dû vendre 5 DVD.
tu vas pas recommencer à parler comme dans la vérité, là. Je parle pas comme dans la vérité, je parle avec ma langue à moi. C'est eux qui m'imitent. Ah bon, pourquoi vous dites que vous vendez pas des DVD? J'étais là avant, hein. Je vais mourir de rire. Ça se vend pas, les DVD? Moi, les miens? Oui. Les miens, je sais pas pourquoi. Quand je vends. Ils sont trop chers pour ton public. ça doit être quelque chose comme ça, je sais pas. Sans déconner. Quand je vois les chiffres de mes ventes, les types, ils meurent de rire. Même les types qui ont payé pour avoir le DVD, les ils compagnies, regardent pas. Ils meurent de rire. De temps en temps, ils pleurent, mais ils meurent de rire. Je comprends pas. Peut-être un jour, quand je serai mort, je sais pas. Parce que tu vends pas de DVD. Ah non. C'est ce qu'il vient de dire, oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ce qu'il vient de vos films. De vos films. Dit avec une telle modestie que j'ai cru que c'était une blague. De vos films, oui. Oui, mes films, oui. Ah. Mais je pense aussi que c'est parce que ce que je fais sur scène est 100 fois mieux sur scène. Oui. Comme tous les spectacles vivants. Et puis parce que je fais peut-être pas du stand-up. Oui. Et plus particulièrement le vôtre, c'est vrai, puisqu'il y a aussi beaucoup d'interactivité. Et c'est vrai qu'elle n'existe pas à travers un téléviseur, cette interactivité-là. Oui, on est témoin. C'est valable pour les gens qui ont vu le spectacle et qui veulent. Un souvenir. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas. Bah, je sais pas, franchement. Et puis je vais vous dire la vérité, je m'en fous. Enfin libre à 19h au théâtre du Gymnase et avec nous jusqu'à 18h, Michel Boujna. Suite et fin de mauvaise gêner sur Europe 1. Michel Boujna, enfin libre, est notre invité d'honneur. Il est au Gymnase tous les soirs à 19h et la voix féminine que j'ai diffusée tout à l'heure en deuxième indice. C'est né de façon très organique, comme ça, comme un arbre qui pousse. J'ai commencé à interviewer. C'est Colline Serrault, non ? Colline Serrault, effectivement, la réalisatrice de Trois hommes et un couffin. Si vous aviez identifié Colline Serrault. Mais oui, mais j'ai fait un peu. Tu participes vraiment à ce métier. Tu ne trouves pas Boujna, tu ne reconnais pas Colline Serrault. Non, j'ai reconnu Colline Serrault, je viens de le dire. Quant à Schwarzenegger. Tu vas t'en prendre. Alors, True Lies, oui. Alors, True Lies, expliquez Michel Boujna, Jérôme Bonaldi qui comprend pas pourquoi Schwarzenegger. C'est parce que c'est la Total, les Américains ont acheté les droits à Claude Zidi et ils ont fait True Lies après la Total. Qui jouait votre rôle alors dans la version américaine? Je sais pas. Le film qu'on a fait ensemble. C'était Schwarzenegger. Oui, on est. Oui, on a. C'est le film qu'on a fait ensemble. Absolument, on était ensemble dans ce film. C'est pour ça quand t'as hésité, je me suis dit si c'est lui. Ouais. La Total. Mais j'ai une mémoire. Et le nombril du monde. Ben Guigui était pas dans le nombril du monde? Non. Ah non, surtout pas. Non. Ouais. Non, j'en ai fait des mauvais, mais celui-là, j'ai pas fait. J'avais une chanson, parce que j'ai dit que vous ne chantiez pas, mais j'avais quand même une chanson, Michel Boujna. C'était lundi 7. J'ai pas eu le temps d'arriver jusque-là. Ces bleus-là, aux vieux malins, aux vieux magiques, ils ont plus d'un tour sous leur pas. C'est parti. C'est-à-dire que les types qui cherchent les indices, c'est des types qui disent on va chercher les trucs les plus mauvais qu'il a fait dans sa vie. Et dès qu'on les trouve, on les met comme indice. En fait, c'est des assassins, les types. Viva les bleus, c'est pas une belle chanson, ça, Viva les bleus. Oh oui, quel bonheur. Viva les bleus. C'était bien avant que la France gagne la Coupe du Monde. C'était en 86. Ouais, vous voyez, donc j'ai été vraiment à supporter. Pourquoi t'as fait ça ? Mais parce que vous voulez que je vous dise comment ça se passe. Ouais. J'étais dans une maison de disques qui éditait mes spectacles en disque à l'époque, ouais. En galette. Le en 30 centimètres. Ouais, le patron de la maison de disques est un homme que j'adore, qui s'appelle Régis Tallard, qui est vraiment un homme que j'adore, est venu me voir un jour, il m'a dit, bon, je t'en supplie, Michel, tu veux pas, tu chantes trois mots dans la chanson sur les bleus. J'ai dit, bon, ça te fait plaisir. Oui, bon, je vais chanter. Mais c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Dis donc, est-ce des gamins? Ils sont plus grands maintenant, ils ont quel âge? Ah, ils grandissent tous. C'est ça qui est une bonne question. C'est une bonne question. Quand ils sont nés, ils avaient quel âge? Mais alors, le fait qu'ils soient papa, d'ailleurs, tu l'as intitulé un de tes spectacles, non? Mais c'est il y a longtemps, ils sont très grands. Justement, est-ce qu'ils t'intéressent toujours autant? Mes enfants? Oui. Ou est-ce que. Non, réponds. Il les a répudiés. Elle, depuis qu'ils sont morts, plus du tout. Alors, ça fait penser à deux histoires. Non, il ne m'intéresse pas du tout. Ça fait penser à deux histoires drôles. La première, c'est une femme qui marche avec ses enfants sur la plage et il y a une dame qui la croise et qui fait, dites-moi, ils ont quel âge vos enfants? Et la mère, elle dit, l'avocat, il a 4 ans, le médecin, il a 6 ans. Ouais, la vieille. Hein. Et l'autre, c'est deux vieux qui vont voir un avocat et ils arrivent, ils ont 110 ans et 105 ans. Fait, bonjour, monsieur l'avocat, on voudrait divorcer. Vous la connaissez aussi? Oui. Allez vous faire foutre. T'arranges pas. Fais là. Allez. Là, 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 il est au niveau des indices.
Donc ils étaient bons, tes amis. Allez vous faire foutre. Alors ici, il faut faire, ici, faut faire dans le neuf. Hein. Autrement, même Claude Sarraute, elle a ça comme jingle, vous voyez. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah non, ici, il faut se méfier. Je suis découragée, c'est pour ça que je parle presque plus. Elle fait que ça. Ils me foutent le jingle à chaque fois que j'ouvre la bouche. J'avais un bel indice quand même, oui, que je n'ai pas eu le temps de diffuser. Celui-là, vous l'auriez apprécié, j'en suis sûr, c'était l'indice 6. On va partir tous ensemble avec Max et David au Québec, voir les baleines dans 3 jours. Mais quel honneur. Ben, un honneur du plaisir que j'ai à partir avec vous en vacances. Ça te suffit, Claude? Pas Claude? Ah, si, voilà. Et oui, Philippe Noiret. Philippe Noiret, effectivement, père et fils. Vous aviez aimé ce film, Claude? Beaucoup. C'est un très bon film. Tu l'as aimé, toi? Oh oui, j'ai aimé ça. C'est le réalisateur, quand même. Tu l'as vu, Michel? Oui. Comment t'as pouvait l'avoir? Hey, Michel, tu l'as Michel, vu, il t'a plu, ce film? Il t'a plu ou pas? Tu l'as vu? C'est lui qui a réalisé le film, quand même, Claude. Attends. Alors, taisez-vous. Alors, c'est un film formidable. Excuse-moi, j'ai cru que t'étais dedans aussi. Non, c'est... Père et fils. J'étais un peu dedans, oui. Mais non, c'est un merveilleux souvenir. C'est Michel Bouchelin, là, tu sais. Oui, ben oui, un peu. C'est pour celui-là que tu avais couru nu sur les Champs-Élysées. Oui, c'est pour celui-là que j'avais couru nu sur les Champs-Élysées parce que c'était mon premier film comme metteur en scène et je pensais pas que quand les types m'ont dit, les exploitants m'ont dit, tu vas voir, ça va fonctionner, le public va venir et tout ça, ils m'ont donné des chiffres auxquels j'espérais pas. Donc, j'ai dit, écoutez, si jamais ça fait ça, je cours tout nu. Alors, tes trucs qui ballottaient, t'as tout. Non, ça ballottait pas parce que je les tenais entre les mains. Ah. T'avais assez de place? Oui. Non, mais j'avais pris des gants. Donc... Ah, okay. Habillé sur scène, en tout cas, au théâtre du gymnase à 19h, vous pourrez applaudir Michel Boujenah dans Enfin Libre. Merci d'avoir joué le jeu dans notre émission, Michel. À demain, 15h30 sur Europe 1. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1.